bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et ça va? Coucou toi derrière ton écran, t'es connecté sur YouTube, sur Facebook, peut-être que tu nous écoutes en radio DAB avec un son qui va tellement à fond et c'est ça qu'on kiffe. J'espère que tu vas bien, t'es tranquillement posé. J'espère que sur YouTube ça roule bien. Salutations à ceux qui étaient connectés hier. Les amis, aujourd'hui dans votre émission, on va parler des selfies. Oui, on a prévu tout un truc avec les selfies parce que figurez-vous que les selfies, ça tue plus que les requins. Non mais c'est très sérieux. Par an, il y a plus de morts par selfie que de requins. D'ailleurs, je suis sûr les gens qui vont à l'étranger, parfois vous voyez des panneaux interdiction de prendre des selfies. Tu dis mais pourquoi? Eh ben parce que tu peux mourir. Et aujourd'hui justement on va parler de tout ça. Il y aura également une histoire noire, il y aura des cadeaux à gagner, il y aura pas mal de trucs à vous offrir. On aura aussi dans cette émission on va tenter un record du monde. Oui c'est très sérieux, on va tenter de battre des records dans l'émission. Ça va être du n'importe quoi, on va avoir l'air très con, mais vous allez voir de quoi il en retourne tout à l'heure. Voilà. Et puis qu'est-ce qu'on a prévu d'autre aussi, l'histoire noire. Et je vais vous parler aussi que c'est possible pour nous, peuple, nous jeunes terriens, jeunes humains, de faire changer les choses. Tu vois quand il y a quelque chose qui va sortir au cinéma, Et ben on peut tous manifester pour que le truc change en fait. Je vous en parlerai tout à l'heure, vous allez avoir toutes les informations. Mais en gros dites-vous que le peuple a réussi à faire stopper la production d'un film et à tout changer dedans. Les amateurs de pop culture savent de quoi je parle. Mais d'abord, bonsoir tout le monde, Vince est dans l'art. C'est ça même. Et je ne suis pas tout seul puisque dans cette émission il y a également Lara qui est là. Bonsoir Lara. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien. Tu as passé une bonne journée? Bah oui, écoute, très très bien. T'as bien mangé? Ouais, j'ai bien mangé. Franchement, j'ai bien mangé. C'est vrai? T'as mangé quoi aujourd'hui? Écoute, j'ai mangé à la cafétéria, au restaurant, notre magnifique tarmac. Eh bien, j'ai mangé un poisson pané et des légumes. Poisson pané et légumes? Oui, protéines, légumes. Je suis en train de me dire, je vais essayer le combo protéines, légumes pendant la semaine et rajouter les féculents juste le week-end pour un mode slam malin, tout le monde. Et Nigel, il a mangé quoi, Nigel? Bonsoir, Nigel, bien joué. Elle a grave mytho, hein. Elle a mytho de ouf. Elle a mangé quoi? J'ai mangé du chocolat en plus. Ouais, mais alors tu peux pas faire genre, je fais attention si jamais tu bouffes du chocolat, toi aussi. Bon, ça va, le Nigel? Ça va, là, je suis en train de mettre une story pour vous, les amis. Grave. Toi, t'as mangé quoi aujourd'hui? Ah, ben, croque-monsieur, voilà. Et amafé, voilà. Je me suis fait un petit café avec amafé. T'as fait un amafé? Grave, ouais. Et genre, t'as pas ramené? Non, désolé, non. Ah, ouais, c'est comme ça. Petite quantité, t'as vu. Et vous, qu'est-ce que vous avez mangé? Ouais, venez nous dire. On vous check en message. C'est parti, les messages qui arrivent à partir de maintenant. Coucou Cindy qui est connecté. Ah, du TikTok qui est connecté. Ça dure combien de temps? Si tu parles de l'émission, alors bienvenue déjà à toi, bienvenue sur Tarmac. Bonsoir. Tous les soirs, on est en direct avec Lara, Nigel et moi-même, Vince, pour te servir, pour rigoler, pour se marier. On va faire plein de trucs, on va parler de plein de sujets. Clé du jour qui démarre dans quelques instants. Et je check tous tes commentaires, donc maintenant c'est le moment d'écrire vos commentaires, les amis. Je vais tout checker dans quelques instants. Dites-nous ce que vous avez mangé ce soir, si vous avez déjà mangé, ou ce que vous allez grailler, ou ce que vous êtes en train de manger pendant que vous regardez cette vidéo, ou que vous écoutez ce live, les amis, puisque vous pouvez également nous contacter pour ceux qui sont en radio DAB via le WhatsApp. Le numéro c'est le +32 493 99 3x09. T'as vu, ça s'écrit juste là. Tranquille au calme. Et Alexis, il a mangé quoi, Alexis? Hein, Alexis? J'essaye d'arrêter, je ne mange plus. T'essayes d'arrêter, tu es un homme bien. Ça se voit. Merci, ouais, grave. Par contre, j'ai quand même quelque chose à demander à nos abonnés. Ouais. La chemise de Vince. Ah ouais, attends. On en parle pas. Aujourd'hui, c'est le jour des chemises affriolantes. Hier, j'étais en crocs, aujourd'hui, je suis en chemise chelou. Pas mal, ouais, un petit tableau. T'étais pas en crocs, c'était en pantoufle, Vin. Oui, non, c'est en pantoufle de caoutchouc. Non, voilà. C'est des crocs, arrêtez. C'est pour une fois que j'ai acheté de la marque, attendez. Ah non, c'est vrai, je peux pas citer les marques, c'est vrai, je vais quand même m'oublier. Bref, c'est des crocodiles, t'as vu? On va se la masquer. Et cette chemise vient de. Non, ça, je vais me taire. Non, et mais on voilà, s'en fout c'est. D'où ça vient. Un petit kiff, voilà, j'avais envie. En train de mettre des musiques, frère. Ah ouais, grave, je fais même pas exprès, putain, c'est mon bic. Mon bic, il est tombé. Il a tapé n'importe quoi. C'est qu'un thug, c'est pour grave. Ça. Grave. Chemise magnifique, Vince. Merci, Cindy. C'est très gentil. Donc, dédicace à tous ceux qui sont connectés ce soir. Si vous connaissez pas l'émission, tous les soirs à partir de 20h, on est là. On check vos messages. Coucou à HBNHK qui est là, tranquille. Qui me dit on s'en balèque. Mais moi, je veux savoir de quoi t'as. Qu'est-ce que t'as mangé, frangin? Donc, dis-moi ce que t'as graille aujourd'hui. Ça me permettra de donner des idées, tiens. Moi, j'ai mangé un couscous de la part de Eden. Oh, miam! Eden Hazard, visiblement pas le Eden Hazard, mais. Qu'est-ce qu'on en sait, voilà. Qui nous regarde? Grave, t'as raison. Salut offre. L'équipe Tarmac, vous allez bien? Merci, moi, on va très bien, mon pote. Fadoua, là, du riz à l'ananas. Original. Ah, si. Ça doit être dégueulasse, frère. Froid, ça peut être bon. Mais chaud. Ah putain non, c'est vrai, je faisais dans ça paella. À l'époque. Ah, non. Y a pas ça dans la paella. Je mange juste du riz blanc. Ouais. Avec des ananas. Mais froid dessus. Ou chaud? Both. Les deux. Both. Yo. Alors franchement, j'ai rien mangé depuis 16h. Non mais Anima, mais va graille toi aussi. Bien vu. Julie essaie de quoi on va parler tout à l'heure. Elle a capté. Julie Burton, elle a capté l'enroule. Moi couscous, c'est juste le dimanche. J'ai mangé merguez frites. Tout le monde s'en va avec. Mais non, tu donnes des idées. Merguez frites, la base. Franchement, la bouffe parfois c'est le genre de truc où on galère un peu. Merguez frites. Alors.
moi je sens que ça a l'air pas mal. Bah pourquoi pas c'est bon les pâtes régime vie là de Pretty qui est envoyé du riz blanc, c'est la S mort de rire. Dites-nous ce que vous avez graillé les amis, un petit snack tranquille. Moi j'ai mangé des pâtes au sucre. Alors oui, ma grand-mère me préparait des macaronis. Ma grand-mère c'est la toute la famille, elle m'a préparé des macaronis avec du sucre brun quand j'étais petit. Tu mangeais ça? C'était super froid et chaud, c'était délicieux. Ah en plus quand c'était chaud, ça fondait. Arrête. De la cassonade? Non, du sucre brun. La cassonade. Pas mal avec sucre la brun, n'est-ce pas pareil? Ah du sucre brun, c'est pas sucre, la du sucre brun n'est pas cassonade. Arrête, non. Bon les amis, vous avez bien compris qu'avec tout ça, le sujet de ce soir n'a rien à voir puisque nous allons parler des morts par selfie. Oh. Mais avant ça, on va commencer avec la clé du jour. Et vous connaissez le principe de la clé du jour si vous venez d'arriver. Eh ben, je vous annonce que la clé du jour, c'est très simple. Vous allez voter pour, on va dire, la meilleure vidéo, la vidéo qui vous fait le plus marrer, la plus drôle. Je suis à 2 victoires. Alexis de son côté, il est à 6 victoires. Lara en a 6 victoires. T'as Alexis 5 victoires. Ah. Lara, toi, tu en as une, il me semble. Non, t'en as 0, toi. T'en as 0. Attends, d'où moi j'ai 0 victoire? T'as 0 victoire. Attends, je suis en deuxième position après Alexis. Tu te sérieux, t'es troisième alors? Hein? T'en as eu combien? Mais t'en as eu combien alors? Non mais dis-moi, t'en as eu combien? Mais j'en ai eu juste une de moins qu'Alexis, voire les mêmes points qu'Alexis. Arrête, okay, mais va dormir, cousine. Tu te fous. Non, t'as pas les mêmes points, arrête. Comment tu vas avoir les mêmes points qu'Alexis alors qu'on est qu'à 11 émissions, frère? Arrête. 12 en fait, avec ce soir. Ouais, mais donc c'est vrai. Attends, toi t'as gagné une fois, tous les autres fois c'était moi et Alexis, et moi. Bon, on va voir ça. Bon, les amis, vous êtes des malades. Lui, il a le compte d'Alexis, il fait what, 6 et puis moi, 1. C'est parti pour la clé du jour. Malade. Hello, motherfucker. Et ça commence avec ma clé du jour. Votez Vince si jamais vous trouvez que c'est la plus drôle. Ou alors Lara, ou alors Nigel, ou alors Alexis, bien sûr. Alors, il regarde vers le bas, le con. C'est bon, il a regardé vers le haut. Donc, ma clé du jour, elle est en rapport avec le sujet de ce soir. Je vous la laisse la regarder. C'est parti, puisque le sujet, c'est les selfies. Ah, bien. Alors. Ceux qui sont souvent sur internet ont peut-être déjà vu hein. C'est un pauvre volant. Bah ouais. Mais ouais, aïe. Elles vont bien, je précise qu'elles vont très bien. Sait, tu les connais? Oui, parce qu'il y a des photos qui ont tourné sur internet après parce qu'elles sont devenues super comme connues. Ces deux iraniennes, elles sont devenues super connues. Et on voit une photo. Qui a fait tout son visage là en Angelina Jolie là. Non, on dirait, mais. Et en fait, on a vu une photo d'elles dans un brancard, mais elles vont bien, elles ont fait comme ça même, tu vois. Donc, elles vont bien. Si elles font comme alors, ça, si ça vous avez trouvé cette vidéo à la fois choquante et à la fois drôle, eh ben, n'hésitez pas, vous pouvez voter Vince. On nous dit, oh, c'est pas drôle, c'est dangereux. Ouch. Mort de rire en train de rage quitte. C'était évident là. Ouf. Oh, ah, les gens sont choqués. Les gens sont choqués. Mais nos vidéos, wesh. Eh ben, c'est parti. Attends. Vidéo numéro 2, celle de Lara. Attention. Écoutez bien, regardez bien. Je ne sais plus quelle vidéo c'est, mais on va découvrir, on va revoir ensemble. Allez, vas-y. Ah oui, donc cette personne se croit plus intéressante en crachant sur l'autre. Dans un métro, sauf qu'il n'a pas évalué la. Voilà, il lui crache dessus. Sauf qu'il n'a pas évalué la force de son adversaire. Car. Adversaire. Il a réussi à ouvrir. Et voilà. Ouais, c'est la vidéo. Pour vous servir. La vidéo termine comme ça. Je pensais qu'on allait voir la suite, etc. Mais j'avoue qu'elle est bien montée, elle est bien amenée. Elle est bien ficelée. Elle est éclatée au sol. Pouvez voilà, petite conclusion était mignonne. Elle est très très bien ma vidéo. Vous pouvez voter pour Lara si vous voulez. Scandaleux, sérieux, elles auraient surtout pu blesser d'autres personnes pour la vidéo avant. Ouais, non mais de ouf. Hein. Non mais selfie au volant, faut oublier ce genre de bail. On en parlera tout à l'heure. Clairement. D'ailleurs, j'ai enfin arrêté de faire mes stories Insta au volant. Bravo. Non mais je le faisais. Alors, attention, je précise, je le faisais au feu rouge. Et après il y a plein de gens qui m'ont attaqué en me disant ouais t'as pas honte et tout. Je fais ah ouais c'est vrai que vous pouvez pas voir que je mais malgré tout même si t'es au feu rouge faut rester vigilant de ce qui se passe à gauche à droite. Bref après cette leçon de morale merci. Et voilà tête d'homme, est-ce qu'on conduit mieux en faisant des vidéos donc arrêtez de me casser. Ah non là mais alors bref faites attention sur la route pour ceux qui ne savent pas utiliser leur volant leur GSM au volant ne l'utilisez pas tout le temps. GSM feu. Ben ouais frère. Okay. Bon, vas-y ma portable vidéo, ça donne quoi vas-y. Ma vidéo, votez pour Nigel si vous aimez bien. Ok, voilà. Ok. Voilà. C'est un coup de bâtard. Le mec qui a esquivé, c'est vraiment un enculé. Pour tous les mecs que vous aimez pas, genre vraiment, tu vois, tu dis au mec que t'aimes pas, vas-y, saute, je te rattrape. Franchement, elle est dingue. On attend vos commentaires si vous voulez voter pour Nigel. Alexis. Oui, et je vais amadouer les gens parce qu'il fait froid. Et je me suis dit qu'un peu de soleil, un peu de plage, ça ferait du bien. Donc voilà pourquoi il faut voter pour moi, de 1 pour la chute et de 2 parce que ça fait du bien de se remémorer un peu le soleil. Voilà. Vas-y, fais péter.
Alors, voyons voir. Non, ça va. Tu nous as habitués à mieux. Hein. T'es disqualifié, frère. Qu'est-ce qui s'est passé, Alexis? Avec qui tu étais hier soir? Franchement, tu nous as habitués à beaucoup mieux, Alexis. Je sais pas ce qui s'est passé de ton côté, mais. C'est très bien, c'est gentil. Voilà, on repense un peu à l'été. C'est naze. Ouais, c'est ça. Vas-y, retourne chez toi. On va voir avec qui ça va se passer ce soir. Allez-y, vous votez à partir de maintenant, les amis. Et je vais prendre tout de suite le maximum de bonnes réponses. Enfin, pas de bonnes réponses, puisqu'il n'y a pas de bonnes réponses. Ah, j'en prends le gagnant. Mais il n'y a pas de gagnant. Franchement, aujourd'hui, c'est pas mal. Hein. Alors, on me dit éclaté au sol pour Alexis. Ouais, on oublie Alexis aujourd'hui. Alors, pas fou, c'est nul pour Alexis. Ouais. Alors, il y a beaucoup de Lara qui tombe. Hein. Je dirais même mieux éclaté au sable pour Alexis. La tête d'homme, éclaté au sable. Bien vu, je viens du jeu de mots. Il y a du Nigel qui arrive. Ah, ça se joue clairement entre Lara et Nigel. Moi, si je gagne pas, c'est qu'ils ont pas bien su écrire mon prénom, c'est tout. Merci Julie d'avoir voté pour moi. Franchement, c'est gentil. J'ai quand même eu un vote de la part de Julie. Hein. Vous êtes méchant avec Alexis Miskin. Non, c'est lui. C'est lui qui est méchant avec vous. Regardez les vidéos qu'il vous met, s'il vous plaît. Il a aucun respect. Hier, le pauvre, on dirait qu'il a le sentiment de la honte là. Alors, c'est bon. Moi, pour moi, j'ai le gagnant ou la gagnante. Et il s'agit de ce soir. Je le montre à la caméra. Bravo à toi, Lara. Ouais. C'est Lara qui a gagné. Elle a vraiment gagné. La caméra est toujours sur moi, c'est très gênant. C'est que j'ai laissé sur elle. Hop là. Ouais. Allez. Non, elle a vraiment gagné. Je te jure, elle a gagné. Ouais, ouais, non, vous êtes corrompus. Je pense que je vais changer de prénom, moi. Parce qu'en fait, c'est juste les gens, ils ont la flemme d'écrire mon prénom. Du coup, pour le jeu, je vais appeler Nini. Nini. Mon flemme, frère. Nadjo, il est vraiment en PLS, le pauvre. Après, appelez-moi Nini, c'est bon. Les amis, tout de suite, on va passer au topic du jour. C'est parti, on attaque tout de suite avec les histoires de selfies de la mort, les selfies of the death. Alors c'était en rapport, vous avez vu, j'ai fait une clé du jour en rapport avec ce qui se passe. Magnifique. Avec les bails et tout ça. Et on a pas mal d'infos là-dessus. Il faut savoir, j'ai découvert, j'ignorais complètement que depuis 2011, il y a plus d'une centaine. Donc c'est-à-dire il y avait presque 300. Je crois qu'on arrive à 300 ou 400 morts par selfie prouvées. C'est-à-dire qu'on a la preuve que c'est par selfie. Il y a des personnes qui sont déjà tombées. Alors il y a le nombre par contre de blessés par selfie atteint des dizaines de milliers de personnes. Wow. dans le monde. Ça, c'est énorme. Donc, c'est-à-dire, tu te prends un selfie, tu glisses, tu tombes en vélo, exactement. Rien que quand tu vois toutes les vidéos de gens sur internet qui font des cascades et tout, il y en a beaucoup qui se pètent la gueule. Et donc, oui, le selfie tue plus que le requin. D'ailleurs, cinq fois plus. C'est pour ça qu'ils interdisent beaucoup les selfie sticks dans des montagnes maintenant ou dans des hauts monuments, tout ce qui est placé super haut. Ils interdisent aux gens de sortir un selfie stick parce qu'en fait, tu recules, gars. Il y a une enroule bizarre avec le selfie stick quand tu l'as. D'ailleurs, moi j'ai toujours trouvé ça naze et ringard hein, pour ma part. Le selfie stick, franchement, j'ai jamais acheté cette merde. 45 ans starter pack. Ah ouais. C'était mignon. C'est vraiment ça. En fait, t'as trop l'impression que c'est pour les yeufs, tu vois. Le attends, j'ai mon selfie stick. Hop là, regarde, t'as vu, on a plus de portée. Rappelle. Attends, j'ai de la pousse dans mon bras. C'est vraiment ça. Et donc, du coup, ils interdisent pourquoi? Parce que, alors, ça, j'ai vu sur internet et c'est avéré. Et la raison pour laquelle ils interdisent ça, c'est que tu perds le sens de l'équilibre. C'est-à-dire que tu tends ton bras. Ouais. Et donc, le fait que ton bras soit tendu et qu'en plus de ça, tu as une perspective où tu regardes un objet, tu te concentres davantage dessus et tu te rends pas compte des distances. Parce que, comme tu regardes un petit écran, tu te rends pas compte des distances derrière et il y a plein de gens qui sont tombés et qui sont fracassés. J'ai raté mon roulage du R. Fracassé, effectivement. C'est trop triste tout ça pour faire les intéressants sur les réseaux. Bah oui. Oh là là. Ah oui, bon. Hein. Non, c'est mais pas le sujet. Un selfie, c'est pas nécessairement. Les pour gens poster. Se mettent en. Attends. Non, tu peux avoir plein de selfies dans ton téléphone, mais c'est une force. Pour poster. Mais pas toujours. C'est pour poster. Le selfie a été créé pour le montrer aux gens. Ouais, c'est une photo pour dire regardez. Je suis là et en plus c'est bizarre parce que je vous explique, moi je suis né en 86, j'ai 33 ans. Je fais partie d'une génération qui a eu mal à l'aise avec le selfie au début. Et ça paraît très bizarre parce que maintenant je suis habitué, je m'en fous, je fais un selfie, je me calcule pas. Ah ouais, t'avais peur du selfie? Non, j'avais pas peur, mais en fait je trouvais ça malaisant, c'est-à-dire que je trouvais ça bizarre de me prendre en photo. Et je trouvais ça bizarre. Ah oui. Et tu faisais pas avec les anciens appareils? Je sais pas s'il y a des gens qui ont la trentaine qui vivent plus ou moins le même délire. Tu vois, par exemple, je sais que pour quelqu'un qui a 15 ans, il s'en bat les couilles, c'est normal. Et même pour moi, c'est devenu normal, tu vois. Mais moi, quand je faisais une photo avec mon téléphone au début, dès que j'avais vu la caméra frontale qui arrivait, ça me faisait bizarre. Je me suis dit,
Pourquoi ah, moi c'était pas caméra frontale, hein. Moi ouais. C'était quand tu tournais, ouais, ouais. Ah, mais à chaque fois c'était raté, à chaque fois c'était raté avec moi. Et donc, du coup, les amis, on est parti vous demander, bah, vous, est-ce que vous êtes déjà mis dans des situations dangereuses avec les selfies, et voilà ce que ça a donné. Non, perso, moi j'ai jamais fait, mais y en a, ils sont prêts à sauter à toi pour le buzz. Franchement, ils risquent leur vie pour rien. Non, pas du tout, non. J'ai jamais. Par contre, oui, j'ai déjà vu des vidéos de gens qui se prennent en photo en haut des immeubles, en haut des tours. Et je trouve ça assez dangereux quand même. Ouais. Je l'ai jamais fait, mais pour de l'argent, pourquoi pas. Hein. Je sais pas, ça dépend. Escalader un immeuble, des trucs ainsi. Ben moi, un jour, j'étais sur l'autoroute avec un pote et il y a un type, il était avec lui dans la voiture. Et il s'est arrêté, il a commencé à faire des pompes sur l'autoroute. Ça se peut, une voiture, elle aurait pu rentrer dedans ou quoi ou... Une fois, genre pour la Coupe du Monde, voilà. Genre c'était Belgique-France et j'ai failli me raser la tête, faire une boule à zéro. Mais au final, je l'ai pas fait. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. J'ai pas le rapport. Et du coup, voilà. Mais sinon, ouais, je connais des potes, genre... Même son pote, il comprend genre, pas. Ouais, genre, enfin, un pote à moi, genre, il prend toujours un rasoir et il, fait, il se rase tout le temps en se faisant des selfies. Enfin, c'est un truc insolite. Mais voilà. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Donc une fois je suis parti à un mariage, j'ai commencé à snapper avec les mariés. Et c'est énorme. C'était pas mes potes, je les connaissais pas, en plus j'étais en short. Lol. Ils me regardaient en bizarre, ils pensaient que j'étais un invité, mais s'ils savaient pas que j'étais un invité, ils allaient dire mais il fait quoi lui. Donc j'ai risqué un peu, en plus c'était des Rwandais. Oh non, non, mais. Hey, quand ce qui est ouf, c'est que, tu vois, moi, je monte tout ce qu'on m'envoie et le micro-street, c'est tellement pété que ça devient drôle, tu vois. Moi, j'adore. Franchement, merci pour vos messages et merci de répondre si sympathiquement à nos questions. Toi, tu as pris des risques sur des monts très élevés à prendre des photos de bord de falaise et tout. Hein. Ouais, ouais, malheureusement. Le mont Fuji, parce qu'il faut savoir que Vince a escaladé quoi 4 fois, 5 fois le mont Fuji. J'ai fait 3 fois le mont Fuji. 3 fois le mont Fuji. J'étais 4 fois dessus, 3 fois, ouais, ouais, grave. Applaudissez en silence. Bon, non, bon, j'ai gravi un volcan, tu fais toujours tout droit, tu vois, tu fais comme ça. Le gars, franchement. Non, mais le gars relou, qui faisait dans le métro street. Ça va, c'est cool, c'est tranquille quoi. Dans le micro street, il parlait du gars qui faisait des pompes sur l'autoroute. Je suis sûr que t'es Vince en vrai. C'est trop ton genre de faire des trucs comme ça. J'avoue, il y a eu une période où je me mettais en danger. Et là, c'est vrai qu'il m'est arrivé une enroule sur le mont Fuji. Alors, j'ai pas de photo qui illustre clairement la situation, mais j'ai voulu me prendre au bord du ravin. Alors, du ravin, c'est-à-dire que t'as le volcan et t'as le cratère. Et le cratère, en fait, t'en as en descente, genre au moins un dénivelé de 600 mètres. C'est énorme, tu vois. 600 mètres de dénivelé. La montagne fait 3800 mètres. Et donc, t'as 600 mètres de cratère. 3800 mètres, tu le fais en Et je me suis vraiment. Comment ? Tu le fais en combien de temps, 3800 ? Ça dépend les chemins, mais j'ai mis 14 heures la première fois. Et puis, et après, j'ai mis 5 heures l'année d'après. Ah ouais ? Ouais, parce que je me suis entraîné toute l'année pour battre mon temps. Et on a fait Cap 48. Hein, on a fait. Ah, grave, voilà. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis mis en danger de ouf. Je voulais prendre un selfie avec le cratère en bas. Parce qu'il y avait de la neige. Comme le soleil ne passe jamais réellement dessus, puisque le soleil est super haut, enfin pas suffisamment haut. C'était de la neige. C'était de la neige, ouais, non, c'était pas de la cocaïne, non, pas du tout. Et c'est assez dingue parce qu'à un moment donné, effectivement, j'ai perdu l'équilibre. Oh. J'ai glissé, ça va de 2 mètres, tu vois. Mais effectivement, si j'avais glissé de 2 mètres quand même. J'ai glissé de 2 mètres, je me suis rattrapé comme ça et j'étais pas dans une zone super dangereuse. Mais par contre, là aussi, c'était écrit interdiction de faire des statistiques parce qu'ils ont raconté que des gens se retrouvaient au milieu du cratère. Wow. Ils ont survécu, ils ont dévalé comme ça, mais c'est quelque chose de très très droit, tu vois. C'est pas comme si c'était des gros rochers. Ah, ouais. Par contre, tu tombes de l'autre côté, tu sais, quand tu montes le flanc d'un montagne, ouais, là tu crèves. Là tu descends, tu peux même pas t'arrêter quand tu descends. Belle mort quand même. Ouais, non ou pas, tu sais. Je crois que ton corps ça devient un pantin, tu vois, tu fais. Ah, s'il te plaît. C'est qui est kiffant. Et après, tu te retrouves au sol et t'es comme ça. Oh, je crois que j'ai mal. c'est bon, je vais faire la chorégraphie de Bilal Hassani. C'est grave, attends. C'est ça, non? Ouais, c'est une couronne. C'est exactement ça. Et donc, du coup, alors on a d'autres vidéos à vous montrer, d'autres images. Je sais plus du tout quelle est la suivante, je vous avoue, on va la passer. Après, du coup, on va rebondir dessus. Oui. Ça, c'est une sale histoire d'un gars qui était du côté de Hong Kong. Alexis m'a trouvé cette vidéo. Attention, cette vidéo peut. Coupe la vidéo deux secondes, Ouais, parce qu'il faut quand même que je contextualise. Peggy 18, mesdames et messieurs, cette vidéo vraiment peut vous choquer. Donc, je vous invite à maintenant fermer vos yeux, tu vois. Ou alors, tu coupes le volume. Enfin, de toute façon, il n'y a pas de son, mais j'ai pas envie de te. Voilà, je préfère te prévenir que c'est. Que Varde, comme on dit en Flandre. 18. Voilà, c'est parti. Et cette personne était super célèbre parce qu'elle faisait des photos d'elle, beaucoup de selfies et tout. Il y a des tractions SP4. Mais là, il n'arrive plus à monter, là. Mais si, regarde. Non, mais là, il est en danger, là. Mais non, regarde. Tu sais, il y a plein de mecs qui font ça.
Et attraction, allez, va dur. C'est choquant. C'est hardcore, même. Aïe. Et voilà. Stop. Alors, fake ou pas fake? Fake ou pas fake? Steak ou pas steak? C'est horrible. Moi, je dirais haché, plutôt haché. Malheureusement, c'est la réalité, c'est la vérité. N'est-ce pas Alexis qui a trouvé cette vidéo. T'aurais dû mettre ça pour la clé du jour. Non, mais c'est pas une clé. On a au moins une émotion. Une clé, on va rigoler, on peut pas rigoler de la mort de quelqu'un. Moi, je rigole, hein, c'est un P4, frère. C'est lui qui a voulu. C'est un choix de vie. Malheureusement, ça reste une mort, c'est quand même méga triste et ça me fait. Voilà, moi, je suis pas du genre à faire. Oh, la clé du jour. Mais le truc qui est horrible dans cette vidéo, c'est que cette personne-là, d'ailleurs, on va voir des photos qu'on va vous passer. Mais il est par terre. Ça c'est des gens qui font des selfies un peu de la mort. Alors bon, lui il se prend en photo, mais il y en a beaucoup qui se prennent en selfie. C'est des malades. Lui notamment, et il grimpe toujours sans protection. Je crois qu'il y a plein de gens qui regardent ça sur internet. Il y a eu plein de morts, et c'est lui, le fameux gars de Hong Kong. Non, c'est un gars, c'est lui la fameuse personne qui est tombée. C'est une photo qu'il avait fait, alors je sais pas comment il a fait pour atteindre cet endroit là Il y a des vidéos incroyables où tu vois que les mecs, mais je veux dire, ta vie est en danger à n'importe quel moment. Et là peut-être qu'il a eu une crampe, une fatigue musculaire. Oui, parce que sinon ça serait pas un exploit. Ouais, mais tu sais, prendre le selfie pour ton exploit, moi je trouve c'est chaud. C'est un mec aussi en France qui est décédé comme ça. Il faisait en fait plein de photos au-dessus des toits de foot, etc. C'est un Lyonnais. Et une fois, il est tombé genre de je sais plus où et il est mort. Bah, c'est un sport extrême, quoi. Un nouveau sport extrême. Et pourtant, sur sa page Instagram, les photos étaient ouf, mais au final, tu perds ta vie pour des photos, quoi. Yacine qui nous demande, il faut comment pour redescendre? Alors, ceux qui arrivent à grimper en haut des tours, là, comme ça, parce que tu sais, parfois, c'est vraiment des antennes téléphones ou je sais pas très bien. Ouais, mais ça a l'air tout fin. Il y a toujours des trucs de sécurité qui leur permettent de grimper, des mini-échelles incorporées à la structure. Pour les techniciens Et honnêtement, j'oserais le faire. Ouais. Mais moi, grimper, j'ai pas peur de grimper. J'ai déjà grimpé des trucs. Par contre, descendre, c'est ça qui me fait flipper. En fait, j'ai l'impression que tant que j'ai c'est bizarre, c'est dans ma tête, mais j'ai l'impression que tant que j'ai un mouvement de traction, je me sens en sécurité. Je comprends. Par contre, un mouvement négatif où je dois en fait retenir le poids de mon corps, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est bizarre ce que je vais t'expliquer. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais. Moi, je trouve que c'est plus facile d'attraper une structure et de grimper dessus plutôt que de tenir une structure et de se laisser descendre. Parce qu'en fait, tu fais un mouvement négatif avec tes muscles. Tu vois ce que je veux dire? Au lieu de tirer, en fait, tu dois résister, tenir ton mouvement et descendre délicatement, tu vois. Mais imagine, tu trouves pas le truc en dessous. Et moi, c'est toujours ça qui m'a fait flipper, tu vois. Donc voilà, moi, grimper tranquille, mais après, redescendre, tu me donnes un parachute. Et il y en a malheureusement beaucoup qui sont morts comme ça, de cette manière-là, ce qui est super horrible. C'est de l'escalade, en fait, en quelque sorte. Ça sert à que dalle, il n'y a pas plus superficiel qu'un selfie, en être au point de risquer sa vie pour ça, Mais le problème, c'est qu'on est dans un monde où quand tu réussis à faire ta photo là, tu la mets sur le réseau, elle part en virale, tout le monde vient la liker, tout le monde vient commenter. Et donc tant que les gens likent et les gens commentent ce genre de vidéo, des personnes vont continuer à le faire, tu vois. Mais je pense qu'il faut quand même aimer le côté extrême des choses. S'ils prenaient pas une photo en haut, c'est les gens qui aiment escalader, qui aiment faire des choses extrêmes. Ouais, c'est ça en fait, c'est des Yamakasi. Pas tout mélanger, quoi, tu vois. Ils prennent une photo pour célébrer l'instant, ou pour les réseaux, mais ils ont quand même escaladé un immeuble de je sais pas combien d'étages. Il faut le faire, quoi. Les gens qui prennent des selfies ne le font pas. Exactement. Mais il y en a beaucoup, attention, parce qu'il y a les professionnels là-dedans. Alors attention, il n'y a pas vraiment de métier de ça, mais des gens, en tout cas, ils font beaucoup de parcours, et dans le parcours, ils sont tellement entraînés et tellement habitués à le faire que leur corps tient, leur corps résiste, etc. Malgré qu'ils n'aient pas de filet de sécurité, qu'ils n'aient pas d'harnais. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens, notamment en Russie, ça c'est un commentaire que je vais lire, des gens comme vous et moi, comme toi, là, derrière ton écran, qui le font, qui savent qu'il y a un endroit où ils ont accès et ils vont se mettre en danger, mais ils n'ont pas la résistance au cas où qu'il y a un problème, parce que tu sais grimper jusqu'au bout. Ouais, a priori, ceux qui font ça, c'est des pros, tu vois. Normalement, après, ils ont pu escalader des trucs en étant un peu casse-cou aussi, donc tu vois, il faut faire attention. On me dit en Russie, c'est très répandu les vidéos ou autres à des hauteurs astronomiques. C'est juste une question de fierté, de réputation et aussi une sorte de mode dangereux qui se passe. Alors, tu as des informations sur les pays où ça se déroule le plus? Oui, alors tu sais quoi, les morts par selfie, attention, hein. Il y a des pays qui se distinguent dans les morts par selfie, bizarrement. C'est l'Inde, les USA, la Russie, le Pakistan. C'est des pays très peuplés déjà de base. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas les chiffres de la Chine. Peut-être pour ça. Hein. Ouais, je suis peut-être pour ça de base. Donc visiblement, les Indiens, les aiment bien se mettre en danger. Voilà. Ouais, de ouf. Alors, 72% des hommes, 72% des morts par selfie sont des hommes.
On ne sait pas pourquoi. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que les femmes ont un peu plus peur du vide et tout, non? Je sais pas, c'est sûr, c'est un truc de cum, tu vois, de faire le con. C'est en augmentation constante, donc faut faire attention, c'est pas un truc, c'est en augmentation constante. Mais, et surtout qu'il y a des morts où on ne peut pas qualifier ça de. On ne sait pas que la personne est en train de prendre un selfie. Ouais, voilà, ouais. Il y a toutes les morts qu'on ne peut pas qualifier. Ouais, c'est vrai. Qu'on peut pas compter. Moi, je pense qu'en fait, même en faisant un bête selfie, tu peux mourir. Genre, tu fais un selfie au feu rouge, tu peux crever. Hein. Pourquoi? Bah, une voiture va te percuter ou quoi. Mais c'est justement, est-ce que t'as des causes? Ben, moi, des fois, j'ai ce truc-là, moi, perso, tu vois, je suis là tranquille, je prends mon téléphone et tout, je suis passant, j'allais prendre une photo d'un truc et tout, puis bam, je suis en caméra, tu vois, de face, je suis là, presque une crise cardiaque tellement c'est moche. Genre quoi, ça t'a saisi? Oh. Ben, vous n'avez pas des têtes, des fois, vous voyez, genre, vous êtes dégueulasse? Non, ça va, je me suis jamais saisi à ce point-là, pauvre Lara. Parce que t'es tout le temps beau, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oh, merci, c'est trop gentil ça. Sinon, là, partout, elle se trouve où? Compliments, par contre, que ce soit payant. J'ai lu que les plus grandes causes de mort, il y a la noyade par selfie. Quoi? Oui, la noyade par selfie, c'est la première cause de mort jusqu'à maintenant. Des gens qui veulent, parce que maintenant les téléphones peuvent aller dans l'eau, et donc des gens veulent se prendre en photo dans l'eau. Ils restent trop longtemps dans l'eau, tu te fous de moi. Bah, t'as vu l'histoire du pauvre gars là, qui a fait sa demande en mariage dans les bungalows qui ont leur chambre dans l'eau là. Ouais, j'ai pas vu, mais je vois. Il y a une sale histoire qui a tourné il y a quelques semaines, quelques mois là. Le mec, il a fait sa demande en mariage, alors il était pas dans un cadre de selfie, mais ça, il a dit à sa meuf, filme-moi, et donc sa meuf le filmait pendant que. C'est des bungalows dans les Maldives, je sais plus très bien. Avec surpilotis. Exactement, et ta chambre, donc c'est surpilotis, et ta chambre est immergée dans l'eau. Oh. Et donc, du coup, ton paysage autour de. C'est de l'eau, et donc il était dans un endroit luxuriant et tout. Le mec, il a pris masque et tuba, il a plongé, il a mis sa demande en mariage par écrit dans une feuille en plastique, et il a mis sur la fenêtre, tu vois. Donc pendant qu'il était dans l'eau, il colle ça à la fenêtre de sa meuf, et sa meuf, elle est là, oh oui, oui, mais elle galère pour lire. Et elle est là, oui, oui, et il sort la bague et tout dans l'eau, il la sort, et fait, tu veux m'épouser, et elle dit, oui, oui, oui. Et au moment où tu vois dans la vidéo qui remonte, et ben en fait, il est pas remonté. Il est mort. Ah, ouais, parce qu'il a sûrement manqué d'oxygène. Elle le filmait alors je sais pas, parce que le mec était sous l'émotion de faire sa demande en mariage, il voulait être sûr. Et comme il n'entend pas, parce que moi, tu le mets dans l'eau, tu t'entends pas la personne, tu sais pas si elle a compris. Yes, yes, yes. Ouais, et peut-être que lui, il a voulu rester longtemps, il a tenu son souffle vraiment pour être sûr qu'elle a bien lu. Et il est mort, c'est horrible. Déjà, ça a combien de mètres de profondeur, je sais pas. On doit être à 6-7 mètres, je pense. Ah, même. Ouais. Non, mais. 6-7 mètres. Bah, si, puisque j'ai vu les photos du. Mais tu peux pas aller à 6 mètres. Tu peux aller à 6 mètres, mais c'est juste que tu dois bien faire gaffe à tes oreilles. C'est tes oreilles qui encaissent, mais tu peux aller à 6 mètres. C'est un malade. Lui, il cherche à mourir aussi. Non, mais sérieux. Ah non, c'est méga chaud quoi comme truc. Hein. Alors on dit, ça dépend. Un selfie n'est pas toujours directement dangereux. Tu peux très bien faire un selfie et poster sur les réseaux avec les haters et tout. Le cyberharcèlement, ça peut pousser au suicide. On va parler de ça bientôt d'ailleurs. Effectivement, on en parlera bientôt. What the fuck, j'ai pas vu la vidéo. On la diffusera peut-être 34 dans cette émission. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information là? Parce qu'on va passer encore d'autres trucs en image là. Écoute, qu'est-ce que je peux te dire? Il y a quelqu'un. On va faire un jeu avec vous après. Il y a plein de morts donc qui tombent des falaises, etc. C'est quand même le principal. Après, avec les automobiles, les motos, en voiture, beaucoup, en vélo, tout ça, c'est assez basique quoi. Il faut faire très attention. Et puis, il y a un jeune garçon de 19 ans qui est mort. Il voulait prendre une photo avec son gun. Malheureusement, il a je sais pas quoi et voilà, il est mort. Ouais, c'est une histoire vraie. Il est mort à cause d'un selfie, mais parce que voilà, il s'est emmêlé les doigts. Il a appuyé sur sa gâchette. Mais je sais pas, il s'est trompé. Il s'est trompé. Il s'est trompé. Ouais, mais c'est vraiment ça. Regardez les gars, je fais une capture d'écran. C'est horrible. C'est pas drôle. C'est horrible. Putain, Nigel, il est en train de se marrer, le con. C'est con, hein. Oh, comment tu peux te marrer de ça, toi aussi? Tiens. Eh, franchement. Missile dans ta gueule. Vas-y, encaisse. Voilà. C'est mieux ça, non mais c'est horrible, honnêtement. Il a vraiment voulu confondre, je crois qu'au moment où il a voulu appuyer, ça nous arrive, tu sais, t'as un bug, il a voulu appuyer, il a tiré, c'est dingue, il est vraiment mort comme ça. La proprioception. Grave. Alors on a des images à vous montrer, on va vous montrer une petite image là, comme ça, tranquille. Ah oui. Alors ça c'est un gars, pour vous expliquer que les selfies, vous n'allez pas forcément mourir, mais ça peut être extrêmement dangereux. C'est une tube. Est-ce que tu penses qu'il est mort ou est-ce que... Il est mort, il n'est pas mort. Toi tu en penses quoi, Nigel, et vous, de votre côté, d'après vous? Danger de mort ou pas danger de mort? Selfie qui tue ou pas? Je crois qu'il est mort. Toi tu crois qu'il est... C'est un train. Alexis, c'est le fille qui tue ou pas? Non. Non, ok, très bien. Bah, salut. On va voir ça tout de suite. Il s'est ramassé une chaussure en fait. Le bâtard. Donc ça va, il a survécu. Mais en fait, il a ses écouteurs. Mais non, mais c'est un bâtard, c'est le conducteur. Mais non, mais je pense que c'est... Mais non, regarde, c'est le conducteur, il met un gros coup de pied. On va la remettre. Mais peut-être qu'il voulait le prévenir, tu vois, mais l'autre, il a des écouteurs, il entend pas. Je crois qu'il a voulu le réveiller avec un coup de shot. Mais non, regarde. Mais c'est fou, ils veulent... Moi, je pense qu'il a voulu le sauver en pensant qu'il allait le percuter, tu vois.
Ouais, il est. Oh, he hit me in the neck! Il était très content après. Alors, on a une autre image à vous montrer tout de suite. Regardez ça. Ah, yeah, ok. Alors, voilà, ça, Lara, va falloir que tu nous expliques parce que toi, t'as fait quelques petites recherches. Mais c'est pas très drôle parce que malheureusement, ces deux filles sont décédées. Ouais, mais ça se voit que c'est une photo de mort. Genre, tu vois une photo que tu diffuses aux funérailles. La tête d'homme, c'est grave. Non, tu diffuses pas cette photo-là. Je voudrais dire déjà à nos abonnés que ça a été très difficile on de trouver des photos de gens qui sont des selfies, les dernières photos des gens avant leur mort, parce que souvent les familles veulent respecter. Arrête, you stop it, Nigel. Mais ces deux filles, ben il y a une des deux filles, donc elle allait se marier dans quelques jours. C'était son enterrement de vie de jeune fille. C'est horrible. Elle c'est son enterrement tout court. Non, Nigel, non, tu peux pas. Putain. Tu peux pas. C'est con. J'avais pas pensé à ça. Parfois, on a le droit de rire jaune. On a le droit parfois de rire jaune. Dédicace au youtubeur, le rire jaune. Non, putain. Oh my god. Waouh. Franchement, franchement, il a été vif. Je vais pas en fourrir. Je suis désolé. Oh my god. Tu vas te faire allumer. Tu peux pas faire autrement. Eh, ce type veut se faire marave. Tu vas te faire allumer. Tu vas te faire allumer. Il se retient. Voilà. Le mec qui a fait son plan, ça y est, c'est fini. Voilà donc okay. La voiture. Hein. Autre photo. Tout de suite, regardez ça. Bon, de nouveau, malheureusement, ce jeune, il s'appelle Jadiel. Arrête de rire. Non. C'est un chanteur portoricain hyper connu qui, malheureusement, est décédé quelques secondes après cette photo. En fait, là, toutes les photos qu'on va vous montrer, c'est voilà. Nigel, tu peux pas rigoler de ça. Oui, mais alors on arrête. Montre l'autre photo. On doit arrêter. Non. Non, mais c'est bon, c'est pour ceux qui sont morts. On passe à la dernière, alors. On explique les dangers du selfie. Vous dire qu'une photo anodine, Nigel, arrête. But this guy is selfish, hein. Ouais, grave, vraiment, that's joli. Why. Donc pour vous expliquer les dangers du selfie, expliquer simplement que quelque chose de banal que tu vas faire dans un cadre, peut-être tu vas rechercher la photo parfaite, bah va t'amener peut-être à mourir. Tu sors, gars. Nigel, putain, t'abuses. J'adore ce qu'il a dit. Je vais lire les commentaires de gens. On te dit, sors putain, tu déranges Nigel. Nigel, stop mort de rire. Les gens sont quand même très morts de rire au fou rire de Nigel. Il va s'étouffer, miskin. Au coin, Nini, on m'a envoyé là. Nini, il va s'étouffer, miskin. Alors, Nigel, tu sors, Nigel. Sors pour respirer. Encore d'autres photos, peut-être. Attends, juste. Ah bah, cette jeune fille, malheureusement, regardez-moi ça. Non. Arrêtez. Oh my god. Est-ce qu'on... C'est horrible parce qu'elle est vraiment morte à cause de cette balle qui lui a fracturé le crâne. Ouais, non, vraiment, elle est décédée. Ça se fait pas, Nigel. C'est pas de ma faute. Ça se fait pas. Quoi, il fait rigoler. Heureusement, la regarde se calme. Non, mais c'est abusé. Je suis mal à l'aise, je suis vraiment désolé. Oh, il pleure. Oui, j'ai des larmes. Attends, je vais aller là-bas, ils vont voir mes larmes. C'est triste. Voilà, regardez, j'ai des larmes parce que là, vous savez, quand il y a un fou rire qui se passe, généralement, comment dire, on fait pas exprès. Les fou rires, ça arrive toujours dans des moments sérieux, tu vois. Et c'est le moment où tu peux pas avoir de fou rire. Dans ta vie, que tu as ton fou rire. Tu vois, comme le fou rire que tu peux te ramasser à l'enterrement de ta mère, tu vois. Oh. C'est le mauvais moment, mais tu l'as et tu peux rien faire. Enfin, c'est ça le moment à l'enterrement de ta mère, c'est que t'es psychopathe. Comme Nigel, je suis sûr que ça va lui arriver. Donc, Nigel, est-ce que t'es de retour, mon pote? Oui, c'est bon là, très bien. Est-ce qu'on peut montrer une autre photo, s'il vous plaît? C'est pas drôle. Ça, c'est pas drôle, voilà. Non. Et encore une autre, je crois qu'il y avait pas une autre. Oui, et la dernière, je pense que c'est. C'est une histoire horrible, la dernière, par contre. Hein. Ça, c'est horrible. C'est voilà. En fait, c'est la photo la plus connue de mort par selfie. C'est une jeune fille qui avait 17 ans, qui allait sur ses 18 quelques jours après. Elle était avec une copine, la copine l'attendait en bas, elle est montée tout en haut. Malheureusement, elle a perdu l'équilibre. C'est pas drôle. Et encore pire, mais là, je vais rajouter une couche. Donc, non, je veux pas dire. C'est si, il faut que tu le dises. Non. Moi, c'est sa réaction fait. Non. Mais attends, on dit. On dirait quoi? Genre, tu vois, là, tu rajoutes une teub. Non, Nigel, non, là, t'es dans la bulle, là. Là, tu vas trop bien. Nini knew he fucked up. Tu sors. Non, vraiment. Et parce que, attends, tu peux expliquer, tu peux nous expliquer, alors, du coup, parce qu'elle est pas morte du selfie. Ah ouais, mais c'est ça qui est horrible, maintenant, je peux plus le dire.
Mais les gens veulent savoir. Ben, malheureusement, en tombant dans sa chute, elle a essayé de se rattraper un câble. Et en fait, c'était un câble de 1500 volts. Elle s'est électrocutée. C'est la photo la plus connue. Ah, cette fille s'appelle Xenia Ignatieva. C'est une Russe et ça s'est passé à Saint-Pétersbourg. Donc faites attention quand vous escaladez des choses très hautes. Et... voilà. C'est très dangereux. Effectivement, et n'attrapez pas n'importe quel câble. Non, parce que Naomi qui nous dit putain, Nigel, gros bouffon. Nini dehors. C'est irrespectueux de la part du. Ah non, non, je vous explique un truc. Je connais Nigel. Nigel ne se fout absolument pas de la gueule des personnes qui sont mortes par selfie, je tiens à le préciser. Je le connais et lui, quand il a. Juste eu un fou rire. Il a juste une bonne punchline, c'est-à-dire qu'elle allait à son enterrement d'une jeune fille. Voilà. Lui a, voilà. Et le truc, c'est qu'il est parti en fou rire. Et honnêtement, quand t'as un fou rire, ça m'est arrivé aussi, quand t'as un fou rire dans des discussions sérieuses, et croyez-moi, quand des années de carrière, je m'en suis ramassé, tu ne peux rien faire. C'est malaisant de ouf. Hein, et tu peux dire, bah, arrête de rigoler, mais quand t'as le fou rire, vous avez ça en classe, où vous avez votre prof, genre, vous l'avez pas eu pendant une semaine, elle revient avec un truc au cou, tu vois. C'est horrible. Non mais attends, parce que ça nous arrive à tous de voir ce prof revenir. T'étais content, genre t'avais pas cours, tout d'un coup t'as cours, ah le prof est de retour et tu vois le prof qui revient avec la minerve. Et tu pètes de rire. Et après, et t'apprends que la prof elle a eu un problème, qu'elle est tombée, qu'elle a failli mourir. Mais malgré tout, c'est triste, mais tu rigoles, tu vois, t'as un fou rire et tu te sens pas bien. Et le malaise, c'est ça le malaise du fou rire. Donc Nigel, je le pardonne, je le comprends, ça peut arriver. Et voilà, ça fait pas lui une mauvaise personne comme ça, vous savez. Hello, ça fait une semaine que je vous suis et j'aime trop. Merci Inès, bienvenue à toi, ça fait vachement plaisir. Le fou rire de cours, ça a abusé. Mais oui, le fou rire de cours, t'essayes de tout faire pour que ça s'arrête. C'est les pires. Et ça continue. Ça, c'est les pires. Et tu sais pourquoi c'est les pires? Parce que c'est mal interprété par le prof. Le prof, il pense que tu te fous de sa gueule. Ah non, mais combien de fois j'ai pas fini en classe d'études après ça, quoi. C'est... Surtout que moi, tu vois, regarde lui, il commence à fou rire, je le suis, tu vois. C'est incroyable. Enfin, maintenant, on peut dire qu'il est au courant que c'est dangereux les câbles électriques. Putain, you. Oh non. C'est bon, non mais ça y est, maintenant ils vont tous faire des jeux de mots là-dessus là. C'est bon, de toute façon c'est passé. Les amis, on va jouer à un jeu tout de suite après ce sujet. C'est ouf parce qu'il nous reste que 24 minutes d'émission pour faire beaucoup de choses. On va faire un start new game, on va tenter un record du monde. Under boom. On va jouer au... Tu t'étouffes. Tu qui étouffes. Le principe du cul t'étouffe, c'est... Non, le cul t'étouffe, c'est autre chose. C'est un autre jeu. Le cul étouffe. Le cul étouffe. Ça s'appelle le cul qui étouffe. Non, le tuc. Le cul qui étouffe. C'est étouffe. Avec du tuc. En fait, ouais, le tuc étouffe. C'est pas avec du cul. Voilà. T'étouffe. Voilà. Un tuc avec des poils dessus. Et ben, vous savez quoi, je propose à Alexis, tu peux nous rejoindre, Alexis. J'arrive. Très bien. Allez, vas-y, rejoins-nous. C'est parti. Sors de ta cachette, sors de ton bunker spécial. Nous, on va également changer d'endroit. On va tout d'un coup se diriger vers la scène. Allez-y, je vous invite à vous rendre à la scène. Et cette personne qui a eu l'idée de ce jeu aujourd'hui, c'est qui? C'était Nigel ou c'était Lara qui Écoute, c'est l'équipe. Moi, ouais. Bah, Nigel, explique-nous, c'est quoi le principe du jeu, tiens. Non, mais en fait, le tuc étouffe, c'est. On va essayer de battre un record du monde. Le record du monde, en fait, des tucs. Enfin, de manger le maximum de tucs en moins d'une minute. Exactement. Le record du monde, c'est 14. Du coup, pour manger 14 tucs en moins d'une minute, c'est chaud. Hein. Mais moi, je me dis que c'est totalement faisable. Oh putain, la faillite. Je rigole. Ah, c'est dommage. Non, ça tombe. En vrai, de vrai, c'est pas 14. Mais vas-y, on peut grave mourir, bêtement. Bon. Eh, hey, moi, je. Qu'est-ce qu'il y a, Lara? Regarde, il y a que deux assiettes. Oh, c'est triste. Ça va être très mignon. Donc, le record est de 14 en une minute, c'est bien ça. Hein. C'est un truc comme ça, ouais. Très Allez, bien. Placez-vous, les gars. C'est beaucoup... je vais mettre mon petit compteur magique que je pense notre ami de la réalisation, Kill Across, il a prévu. Est-ce que Kill Across est ready avec le petit compteur de 60 secondes? Je suis prêt, mais c'est toi qui dois le lancer. Mais je n'ai pas accès, figure-toi, sur mon petit stream. Ah non. Bon, c'est pas grave. Je me barre d'ici, je vais présenter l'émission là-bas. Vas-y, je vais présenter lancer moi. Là-bas. Non, ça va. Ah, non, je retourne à mon bureau, elle c'est bon. Elle veut esquiver pas le jeu, elle. Ça va se passer entre Nigel, Alexis et Lara. Non, juste entre les deux. Et moi, viens. Parce que je vais venir jouer, sois-en sûr. Ah, chouette, allez, viens. Oui, alors d'abord, on va commencer entre Alexis et Nigel. En une minute, la personne qui a bouffé le plus de tuc, allez-y, votez, les amis. Vous envoyez Nigel ou alors Alexis. Alexis qui après va retourner voir ses messages WhatsApp, hein, quand même, de préférence. Est-ce que vous êtes prêts, la team? Ah, ça pue le fromage, frère. Ah, oh, c'est des tucs au fromage, ouais. Est-ce que vous vous sentez chaud, les gars? Bah, on est pas. Attendez, mais je dois préciser un truc important ce soir. Laisse-moi mettre une petite musique qui va nous mettre dans l'ambiance là. Comment est-ce qu'on va savoir combien de temps on a mangé, Feu? Les gars, écoutez-moi. On t'écoute, important. On t'écoute. Les gars et les garces. écoutez-moi bien. Les amis, peut-être que ce soir on va pouvoir réussir un record du monde. Peut-être qu'on sera dans le Guinness Book des records. Ou pas. On va voir. Le record, Nigel, c'est 14 tucs en moins d'une minute. Je pense, ouais, 14 ou 12 max. Ce qui veut dire que si vous parvenez à grailler 14 tucs en une minute,
On est champion du monde. Non mais de base, le plus dur c'est d'en avaler 5 déjà. 5. C'est 5. C'est un truc de ouf. Ouais, c'est un truc de ouf. Merde. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, on est prêts. Attention, et c'est parti. On y va. Allez les gars. Nigel est à 1. Allez les gars, il faut grailler. Ah, 2 pour Alexis. Nigel entame son deuxième. Votez pour celui qui va réussir à mettre plus dans la bouche. Et il y a plus de votes pour Nigel, je précise. Waouh, Alexis a fait une bonne percée là, 3. Il y a Michael qui nous dit les minces comme lui ont un trou gastrique, comme Alexis. Ouais. Il reste 38 secondes. 4 pour Nigel, toi t'entames ton quatrième, c'est ça? Ouais, c'est 4. Bon, le record du monde sera pas atteint, mais qui va gagner entre vous deux? C'est ce qu'on va découvrir. On entame le cinquième. Oh. On nous dit c'est les tucs qui vont gagner. Et le problème c'est qu'une fois que t'en as plein dans la bouche, après tu sais plus les avaler. Et ceci n'est pas une phrase à deuxième sens. Pourquoi pas. Attention, allez les gars, vous allez y arriver, un maximum. J'ai plus compté, c'est mort. 6. Alexis va commencer son 7ème. 5 secondes. 4, ouais, c'est mort. 3, 2, 1. Stop, on arrête. On est 7 pour les deux. On arrête. Moi j'ai avalé, il a pas avalé. Ah ouais? C'est bon, on va extraire cette phrase. Ouais. Et on va faire un super snacking. Alors, merci. Ce qui veut dire qu'on a combien Lara pour Alexis? Combien 7 pour, et 7. Ils 7 à 7. Ex aequo. Très bien, bah, du coup ça va être toi et moi et puis ça va être un match pour la finale. Allez, vas-y, c'est parti. Je te fais ton truc. On fait de la place. Vas-y Nigel. Ici c'est 0 et après c'est 60. Hein. T'as vu, toi, tu sais comment ça marche. Hein. Allez, c'est parti. J'adore parce que moi j'explique à Nigel comment ça fonctionne. Ça tombe bien, j'avais faim. Par contre, est-ce qu'il n'y a pas un peu d'eau? Parce que j'ai un peu soif. Pour... Tricheur. Bon, bah écoute, je vais être parti. On est assoiffé. Alors, combien j'en ai dans la main? 1, vous deux... dites go, hein. Ah, il y a un cheveu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai 6 moi. Tiens, bah alors, je sais pas, à quelle note calculer? Bah allez, dites-moi quand vous êtes prêts. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, c'est parti, les gars. 3, 2, 1, c'est parti. Oh, ça va être très chaud. Alors, Vin, c'est à son deuxième déjà. Lara aussi, deuxième. Elle peut avoir le deuxième. Ah, c'est sa deuxième. Alexis, va là-bas pour compter. Ouais, je compte. Ouais, super. Ah, ouais, c'est serré de ouf. Hein. En vrai, c'est dur parce que tu salives plus. Ouais, c'est très, très dur. Ouais, t'en as plus. Vin, faut pas parler. Concentre-toi, Yavan. Bah, elle en met partout. Ouais. Vince, concentre-toi. Et Alexis, oublie pas de donner le score. Hein. Tu donneras le score. Dis combien Vince attends, a avalé. Attends, cherche combien des tucs. Cherche des tucs. Prends combien des tucs. Combien Lara avait les tucs là? Ouais. Pas. 8 pour Vince. Eh, c'est le 8ème pour Vince. 8. Vince attaque son 9ème. Il reste pareil. Combien de temps là? Mais c'est pas ce 10 secondes. 10 secondes. Oh là là. Oh, il est trop chaud. Ah, 5. 4. 3. 2. 1. C'est fini. Oh là. Eh les gars, c'est fini là. Attends, il est. Yes. Ah, ça fait de la purée, c'est dégueulasse. C'est vraiment la... Je peux pas vivre. Je vais sonner, mais. J'ai mis son caméraman, j'en suis. Eh, mais franchement, mais est-ce que vous savez que vous devez avaler là? Vous avez rien réussi. Hein. Attends, je vais avaler. Donne-moi. Oh, c'est là, c'est gorgé. En fait, ils ont rien avalé. Ouais, ils ont rien avalé en fait. Eh, vous avez juste mâché, vous avez fait une boule de tuc. Donne-moi 10 minutes. C'est combien de calories que je vais mettre en bouche là? J'ai plus de dents. Et c'est hyper gênant. Oh là là. Et vous êtes KO tous les deux. Ça y est, j'avale. Ça y est, je suis en train d'avaler là. Ah ouais, ça va, c'est bon. Putain, et à un moment donné, t'es asséché. Ouais, mais frère, mais vous avez rien avalé, vous. T'es comme un puits à Casablanca en fait, t'as plus mais rien. Mais pourquoi je mange d'abord? Mais qu'est-ce que vous avez avalé déjà? Genre, sérieusement. Je passe le train. J'en ai avalé 8. Non, t'avales, frère. J'en ai mis 9, j'en ai avalé 9 au total. 9, mais ouais. Jamais, frère. J'en ai avalé 9, mais pas avant la fin du compte à rebours. Mais c'est galère. À mon avis, j'avais plus de flotte. Je comprends pourquoi t'as bu de l'eau vite fait en loose day là. Bon, par contre, on a une finale puisque vous étiez à 7. Qui a gagné entre toi et moi? C'est égalité, non? Moi, j'en ai mangé plein. Allez, vas-y, je veux te dire. C'est bon, on est loin du record du monde, on joue plus à ce jeu de merde, parce que de toute façon j'ai plus de salive là, je sais pas comment je vais continuer à animer cette émission. Vas-y, c'est moi contre toi, wesh. Toi contre, mais non, j'ai trop mangé. Moi contre Lara alors. Vas-y, affronte Lara, c'est très bien ça, ouais, voilà, c'est ça. On a déjà mangé 12 tucs. Allez.
Attends, parce que moi je regrettais après. Il y en a plus assez, je crois. Hein. Moi je pense. Non, sérieux, il y en a plus assez. Je crois qu'il y en a plus assez. Mais c'est pas grave, c'est celui qui mangera le plus. Celui qui finit en premier. On va faire ça, celui qui finit en premier. Ouais, et du coup, tu peux pas les toucher. Tu peux prendre que quand t'avales. Est-ce que vous êtes prêts, la team? Ouais, on est. Attends, parce que la reine fait de la merde là. Elle a finale. Putain, Vince mort, ça manque de salive à cause du tuco fromage. Non, mais on va laisser tomber. Et j'avais beau mordre, j'avais beau essayer de d'activer mes tout là dans ma bouche, j'avais plus de salive quoi. Faites le test chez vous, hein, c'est fait exprès en fait. Vous avez plus de salive, vous êtes asséché quoi. C'est un truc de ouf. Eh, mais vous avez vraiment foutu la merde. Regarde. Ah ouais, putain, je suis dégoûté. Je fais une grosse dédicace à Elias, notre caméraman qui a ramassé plein de tucs dans sa face. Voilà. Pour ceux qui ne voient pas, c'est lui qui est juste là. Ah non, la caméra le file un tout petit peu. Mais qu'est-ce que vous avez fait ici? Mais on a parlé. C'est lui qui est juste là-bas là. Bon les gars, attention, vous êtes prêts pour la suite? Oui. Bien sûr. Attention. You ready? Yes. Ouais. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, on y va. Oh, le bruit est horrible. Ah, vous savez, il paraît qu'il y a plein de gens qui détestent ce genre de bruit. Le bruit buccal. Ça s'appelle pas du ASMR? Ouais, si, c'est du. On est en train de faire une session ASMR en fait dans l'émission. Allez, courage. Courage, Alexis, tu es l'arbitre. Tu vas définir qui va gagner ce soir. Bah, celui qui finit en premier, non? On peut tester un autre goût parce que fromage, quoi. Ah, c'est paprika. Ah, c'est paprika maintenant. Ouais. ASMR tuc. L'arrêt est déter de la part de Sébastien. Allez, courage la team. Graillez-moi ça et après. Allez, on a encore pas mal de trucs dans cette émission hein, en 15 minutes. C'est bon Vince. Ouais, c'est bon, stop. Lara a fini à combien? Non, elle doit avaler. C'est-à-dire, elle a avalé ou pas? Ah non, bah non. Ah bah promis. Bon, hey, c'est bon. C'est bon, juste bravo. On n'aurait pas de joker. Moi j'ai avalé hein. Eh, hey, c'est du n'importe quoi. J'ai gagné parce que j'ai avalé. C'est du n'importe quoi. Ça va à nouveau mal finir ce truc là. Ça va à nouveau mal finir. Allez, c'est bon. Remontez ici, bande d'enfants là. Calmez-vous. Wow. Le temps pour moi, bien sûr, de vous rappeler que d'ici quelques instants, il y aura l'histoire noire. Qu'on a encore eu un petit quart d'heure à passer ensemble. Et si vous voulez qu'on dure un peu plus, bah, suffit de nous l'écrire. Hein. Et merci à tous ceux qui sont connectés. Je voudrais savoir, vous venez d'où là ce soir? Donc, écrivez-moi ça en message. N'hésitez surtout pas. Je check vos messages en temps réel. Que vous soyez connecté sur Facebook ou sur YouTube, dites-nous d'où vous venez. Je sais qu'il y a des habitués qui sont très très souvent là. Et d'ailleurs, on vous remercie d'être là, les amis. Punaise, c'est impossible à faire. Oh non, c'est super chaud. Comment vous sentez alors, Lara, Nigel? Très bien, la victoire. Ouais, c'est bon. Lara est toujours en train de grailler son truc. Tu sais que tu as du tuc sur tes paupières et en même temps sur tes cils. Putain, c'est quoi ce sourire? Et sur le front aussi. Et soit, bah, et soit. Ouais, bref, t'en as partout quoi. J'adore qu'elle va de rire. Non, tu la grailles. Allez, c'est parti. J'en ai pour 2 semaines. Prends les calories seulement. C'est quand qu'on se fait notre petit record du monde là, deuxième record du monde à tenter. On peut se le faire maintenant si tu veux. Hein. Je vais le faire demain si vous voulez. Avant ça, je vais vous parler d'une petite anecdote, les amis. Je vais tout de suite vous passer une petite vidéo que vous devez. Non, c'est mon verre à moi, c'est mon verre d'eau. Mais... Non, crache pas, ouais. Non, crache pas. Non, mais non, mais. C'est dégueulasse. Franchement, c'est une boulette de shit. On dirait pas une boulette. On dirait un placenta, je sais pas. Je sais pas ce que j'invente. On dirait la graille qu'on donne aux chiens. Bon, et on a encore le jus du cul qui doit arriver. Je vous dis pas tout ce qu'on a prévu. C'est voilà, on a encore beaucoup de choses. Mais quelle chouette émission! Incroyable. Toi, va enlever les tucs sur ta tête. Les amis, je vais vous passer une vidéo tout de suite. Et avant de la passer, je vais balancer juste un petit jingle topic vite fait en 2-2, voilà. Les amis, vous savez qu'il est possible de tout faire. Il est possible d'arriver à toutes les fins quand vous êtes des personnes déterminées. Et vous avez suivi ce qui s'est passé dans l'actualité avec un film dont ils ont complètement repoussé la sortie de pas mal de mois là, parce que tous les fans ont pété un plomb. Et je pensais pas que c'était possible. Je me suis dit, ok, les gens, ils peuvent être déter. Les gens, ils peuvent se dire en mode. Attends, j'enlève aussi parce que j'ai aussi du tuc sur la bouche. Maintenant, on a quelque chose à dire avec Internet, quoi. C'est ça qui est. Exactement. Et ouais, mais pas que des bonnes choses, hein. Regardez, une bande-annonce. Pour le coup, c'est intéressant. Une bande-annonce est sortie il y a quelques mois de ça. Je vous la passe tout de suite. Regardez. C'est cette bande-annonce-ci. Voilà, c'est Sonic le Hérisson. Ils avaient annoncé qu'il allait avoir un film et tout ça. Il a des jambes. Et moi, très honnêtement, bah oui, il a des jambes, Sonic, de base. Et honnêtement, je kiffe le personnage de Sonic, mais quand ça s'est sorti, je me suis dit, c'est dégueulasse. Son corps est bizarre. Le graphic design, le caractère design et tout, il est bizarre. Je veux dire, ouais, c'est pas Sonic, quoi. C'est pas Sonic. Tu comprends que c'est Sonic, mais tu te dis, ok. Sonic, c'est ça. Hollywood, ils ont décidé de faire leur version de Sonic et tout. Voilà, produit par les mecs de Fast and Furious, etc. Et j'étais
pas content. Honnêtement, je vous ai bien voir sa face à plusieurs moments. Là, vous voyez bien sa face. C'est ce qu'ils ont sorti au début. Les gens ont pété un câble sur Internet, y compris moi. J'ai envoyé des mails, j'ai aussi tweeté comme un ouf. C'est la Paramount Pictures, je crois. Je les ai tweetés en mode, ah les gars, non, sortez pas cette merde parce que Sony. Moi, j'ai envoyé un mail à Fast and Furious. J'ai dit, ramenez Paul Walker, bande de bâtards. Oh putain, là, il va recommencer avec ses feintes, lui, avec les gens morts. Le et donc, du coup. Eh ben c'est incroyable ce qui s'est passé, puisque l'information a été reçue par la société de production. Ils ont dit, ok, on reporte la sortie du film et on va tout refaire. On va tout refaire. Ils ont re-shooté des scènes. Ils ont perdu des millions, non ? Ils ont, bah, ils ça en coûte en très cher. Hein. Parce que du coup, ça a fait un ram-dam. Ça a refait un buzz dans le buzz, exactement. Et donc du coup, qu'est-ce qui est sorti aujourd'hui ? Ceci, regardez, je vous passe les images. La deuxième bande-annonce où le personnage a changé. Regardez, oui, regarde comme il est mieux là. Alors, personnellement, dites-moi si vous préférez avant ou après. Même. Je voudrais savoir si vous préférez avant ou après. Vous m'écrivez ça en commentaire sur YouTube. C'est le même. C'est le même. Non, c'est pas le même du tout. On va te montrer la différence. Il est plus petit. Mais en fait, il est extrêmement fidèle, nettement plus fidèle au personnage du Sonic dans les jeux vidéo sur Sega, etc. Plutôt que le précédent qu'ils avaient fait. Alors, dites-moi si vous préférez avant, après. Ou alors pour vous c'est le même. Vous pouvez être du même avec Nigel en disant ah mais pour moi c'est complètement le même. Ouais, c'est le même. Regarde, non mais regarde, attends. T'as, j'adore cette scène. C'est juste les proportions. De l'autre il avait des jambes beaucoup plus grandes. C'était un peu dérangeant. Eh ben regardez, on va vous montrer les photos avant après. Vous avez le choix. Voilà. À gauche c'est le nouveau. Maintenant. Et à droite c'était avant. Ah ouais. À droite. En fait, à droite, il est un peu plus méchant. Ça donne pas envie de lui faire des bisous. À droite, j'ai l'impression qu'il est trop. Ils ont trop essayé de le rendre pas humain. Humain, ouais. Mais on va dire d'essayer de. Ils se sont imaginés, ça donnerait quoi un hérisson humanoïde dans la vraie ça vie. Ça donne ça. Et en fait, c'est ça. Alors que l'autre, il est beaucoup plus cartoonesque, il est beaucoup plus proche du ouais, délire du vrai. Jeu vidéo. Ah ben, bah, tout le monde me dit après, hein. Après d'office, après de ouf, après. Jim Carrey, c'est le best. Ah non, mais dans ce film-là, en Eggman, il va être énorme, quoi. Oh, Eggman, Robotnik. Je m'en bats un peu les couilles parce que je sais que je vais pas le regarder, du coup. Ça se voit, t'as pas joué à Sonic toi. Si, j'ai joué à Sonic, je te jure, j'ai joué. Ah bon, et on sent pas les couilles d'un film de Sonic en 2019. On dit la première version est tombée d'un immeuble et s'est crachée sur le visage. Regardez, j'ai d'autres images pour vous. Voilà, vous voyez les comparatifs. Franchement, il y a pas à photo. À droite, il est beaucoup mieux. Ah, le nouveau est beaucoup à mieux. À gauche, il a une petite tête bizarre. Et moi, je trouve. Ouais. En fait, à gauche, ses dents, elles sont dégueulasses. En fait, c'est ses dents. Ouais, c'est ça un peu chelou. Ça donne pas envie de lui faire des bisous. Les dents sur un visage, ça fait tout, hein. Et attends, je crois qu'on en a. Je sais pas si on a une autre. Je vais voir. Je pense qu'on a une autre. Voilà, ça c'est maintenant. Donc le nouveau, comment ils l'ont réadapté. Et ah. Je vais en faire un comparatif entre le nouveau et ça donnait quoi le jeu vidéo. Regardez, bah voilà. Moi pour moi, ça c'est du Sonic. On est dans le vrai bail. Eh, c'est Booba les... Qu'est-ce que. Oh merde. C'est bon, il m'a dead. Ouais, parce qu'il a des jambes de coq, c'est ouais, pour c'est... ça. La première version, c'est fait avec un selfie et un mort. Ok, putain, suis-je le seul à préférer à droite non, ouais, mais ça que... dépend. Parfois, le nouveau est à droite et c'est un peu compliqué. On avoue que. Alors, il y a MDR Vin, j'avais une question. Est-ce que vous allez faire une interview à des personnes belges connues dans le monde, comme Anaë, la danseuse afro Jenny qui est passée sur. Oui, on a l'interview est déjà disponible. On a fait une interview. Tu vas sur la chaîne YouTube de Tarmac ou sur l'IGTV ou sur Facebook. Et là-bas, tu vas voir qu'on les a déjà interviewés dans un sympathique portrait. Première version avant la bonne, non, mais tout le monde est d'accord. Et ben franchement, comme quoi, je vais vous dire un truc. Moi, ça m'a appris quelque chose. Je trouve que c'est une super leçon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez remarqué, je prends mon exemple de DJ. Quand avant, une époque, tu mettais les sons en soirée et c'est tout. T'avais deux, trois personnes qui disaient ouais, tu peux jouer ce son-là. Là aujourd'hui, c'est le public limite qui est décideur, tu vois. Ouais, c'est et ben, vrai, ça. Ce qui veut dire que s'il y a quelque chose, par exemple, vous êtes fan de quelque chose et vous voyez qu'il est complètement niqué dans une bande-annonce, et ben c'est incroyable parce que le public maintenant a le pouvoir de faire annuler un film ou de demander à ce que les gens retournent en studio pour re-shooter et refaire les chara-design, etc. C'est-à-dire que le film était fini. Ils ont rappelé une boîte de prod, ils ont rappelé des centaines de personnes pour rebosser de nouveau. Tu vois, c'est un truc de ouf, ressortir du budget. Comme quoi, c'est possible. Moi, je trouve ça ouf. Donc, si jamais, voilà, vous voulez vous rebeller en disant ah non, moi, pour moi, ils doivent pas être dans un métro, mais dans un jet privé dans l'émission Vin sur Tarmac, eh ben, allez-y, les gars, vous pouvez le dire. Et le patron de Tarmac, il va faire ce qu'il faut. Mais on est très bien content. Très content dans le métro. Voilà, c'était la petite information. Très chouette. On passe au jus du cul. Allez. Très bien. Where is le jus du cul. Très bonne question, le jus du cul. Alexis, tu peux nous chercher le jus du cul, s'il te plaît. Oui, bien sûr. J'adore parce qu'Alexis va être en mode. Oui, mais je ne sais pas trop où il est. Tu sais quoi, viens, Nigel, tu vas prendre ma place. Moi, je sais où il est. Allez, c'est parti. Parce qu'en fait, rappelez-vous que j'avais laissé un jus du cul là. Ouais, mais il a disparu. Et ben, il est parti. Allez, du coup, aujourd'hui, donc, dans l'émission Vin sur Tarmac, je vous présente le meilleur animateur de toute l'année.
c'est moi. Alors pour les gens qui veulent m'ajouter, j'adore, c'est Nigel qui va animer, là, ça va être n'importe quoi. Je suis ici, j'ai fait ça, hop, si vous... Ah d'ailleurs, si vous voulez faire mon move, très simple, ah. Il y a quelqu'un qui t'emmerde, t'arrives devant lui, tu fais, hé hey, gros, Radio Bléda. 1, 2, 3, je m'en voilà, fous. Tout le monde ensemble, 1, 2, 3, Heg, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et après, tu fais en rythme. On va terminer l'émission à minuit 30 aujourd'hui. 1, 2, 3. La variante. 1, 2, 3. Non, mais vous avez fini là. 1, 2, 3. Tout le monde ensemble derrière son écran. 1, 2, 3. Maintenant, regardez, c'est un pas de danse pour toutes les grosses quais. 1, 2, 3. Eh, regardez, filmez-moi ici. 1, 2, 3. On filme ici, regardez ce que l'on a trouvé. Tada, il est là. Il est là. Voilà. Et devinez quoi, j'en ai à vous offrir aussi. Comme ça, vous savez, si jamais ça vous intéresse. Il suffit de, ben, tout simplement de m'écrire là, maintenant, tout de suite, en commentaire sur Facebook ou sur YouTube. Et tu me mets, je veux avoir le jus du cul. Et après, je te contacte quelqu'un, ça s'appelle vraiment comme ça, jus du cul. Hein. Et si jamais tu nous écoutes en radio DAB, eh ben, tu m'envoies sur WhatsApp, je veux avoir le jus du cul. Le numéro, c'est le plus 32 493 99 3 x 09. Voilà, c'est parti, je ramène ça tout de suite. On y est, on est installé. Tu sais que Nigel, il envoie des jus du cul à des gens ? Ah. Pourquoi tant de... Pourquoi être aussi crade ? Pourquoi tant de haine ? Pourquoi être aussi crade ? Je comprends pas. Bon, demain, on va se faire un petit délire dans l'émission. On va se faire un lancer de cacahuètes demain. Ah ? Alors, vous avez trouvé ça bizarre en disant, c'est quoi le délire ? Eh bien, vous savez quoi ? Il y a un record du monde, le record du monde de celui qui tape le plus dans ses mains quand il jette une cacahuète. Donc, principe, tu vas jeter ta cacahuète en l'air. Tu vas taper plein de fois dans tes mains avant qu'elle retombe. Et le record serait de 14. On l'a ouais, testé. Hey, c'est chaud, hein ? Et on arrive à... C'est impossible. Moi, mon maximum, c'est 10. Ouais. Ce qui est pas mal, ça me rapproche du record du monde. C'était combien ? C'était 9, non ? Exactement, et donc ouais. Du coup, on fera ça demain. Lara, t'es meilleure que moi pour ouvrir les paquets de jus du cul. Ouais. Bon, les amis, je vous rappelle, je vais vous lire trois questions. Une question, il va falloir me donner trois choses en rapport avec la question. Et il faut me répondre surtout le plus rapidement possible en exactement 8 secondes. C'est bon pour tout le monde ? Vous ouais. Oui, ouais. C'est bon pour le tout le monde. Le paquet est ouvert. Hein. Hop, splendide. C'est... Attention, c'est parti. Je récupère ça. On y va. Allez, fouille. Attends, c'est hyper dur. Oh, tiens, Alexis, pour toi. Moi, je fais mes petites notes. Alexis, Nigel, Lara. Et on va voir qui, ce soir, va faire le record du jus du cul. Attention. You ready? Oui. On y va, c'est parti. On va commencer avec Lara. Oui. Cite trois parties de ton corps que tu pourrais couper pour 1 million d'euros. Mon nez, mon doigt, mon petit doigt de pied. Ok, très bien. Non, pas mon nez, mais pourquoi pas. Ouais, ouais, très bien. Ouais, je... c'est... Ouais. Voilà. On s'en fout. Ouais, on s'en fout. Voilà, je peux valider. Non, mais ça me paraissait cohérent de toute façon. Donc, pour 1 million d'euros, t'enlèves que ton zen, frère. Moi, j'enlève ma tub, gars. Mais j'en ai pas. I'm sorry, I don't have 10. J'adore Alexis. Après, tu fais quoi ? T'as 1 million d'euros, puis t'as pas de meuf. Merci. Non, mais. 1 million d'euros, tu sais, tu te refais greffe de trucs. Voilà, moi, je ferai du don d'organes, y a pas de problème. Alexis, est-ce que t'es prêt ? Oui. Si trois raisons de faire des petits trous dans les capotes de tes potes. Oh, oh, parce que bah ça crée la surprise, parce que tu sens plus les sensations et parce que ça chatouille parfois. Oh, joli, oh. Sur le gong, joli, joli, joli. Très bien, je valide. Parce que ça chatouille. Chatouille. Parce que ça chatouille parfois. Eh, tu devrais consulter, hein. Nigel, ouais. Complète de trois façons tous les soirs, je rêve de baiser, enculé. Manger mon chien. Ok, c'est bon, c'est validé. Elle est jolie. Très très jolie. C'est pas, c'est, ouais, c'est chelou un peu, mais. Ah oui, c'était extrêmement chelou. Je pense vraiment à ça, les gars. Attention, Lara, oui. As-tu prête ? Cite trois trucs qui font hurler les femmes. Le sexe, ouais. Le sexe, le sexe. Merci. Non, je peux pas valider ça. Ok, alors le sexe, les soldes, les connards. J'adore voilà. Parce que pendant ce temps-là, il y a Alexis qui est en train de nettoyer Nigel. Non, mais Lara, allez, il fallait y arriver là. Comment ça, allez ? C'est une question de subjectivité. C'est trois trucs. Bah, elle est très portée sur le sexe, la petite. Hein. Voilà. Il a dit les femmes. Il a pas parlé de moi. C'est vrai. Attention, est-ce qu'on est prêt, Alexis ? On y va. Donne trois raisons de péter sur quelqu'un et de se barrer comme si de rien n'était. Parce que ça pue, parce que des fois c'est silencieux et parce que ça fait des petites vagues. J'en ai une quatrième. Parce que je m'appelle Vince. Ah oh, joli. Effectivement. That's what he does all day. Voilà, c'est ce que je fais très souvent, mais les gens ne le savent pas. Attention, on y va, Nigel, tu es prêt ? Ouais. C'est trois choses que tu aimerais faire avec ton ex. Alors, la défoncer, la mettre dans un coffre et faire un selfie dangereux. Oh, joli, oh là 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 là.
Bien joué, bien joué, pas mal du tout. Attention, on revient à Lara pour l'instant. Non, je déteste ce jeu, c'est trop difficile. Donc du coup, t'as répondu combien de fois? Deux fois, hein. Ouais, ouais, d'accord, deux fois, très bien. Pour l'instant, il y a Clara qui est en recul. Attention. I don't care. Cite trois choses, c'est déjà fait, celui-là, excusez-moi. On y va. Donne trois vraies raisons pour lesquelles Laetitia a épousé Johnny Hallyday. L'argent. l'argent et l'argent. I'm sorry. Et voilà, on raté. Non, dommage. Toi. Elle est éliminée, elle. Dommage. Tu sais que c'est l'argent. Vas-y, on change de jeu. Vas-y, tu non, mais non, mais c'est non. C'est toi qui joues maintenant. Mais, mais pourquoi? Ok, très bien. Alors, tu dois appuyer là-dessus. Vas-y, fais. D'accord. Et en même temps, si jamais il se passe un truc, tu dois appuyer là-dessus. Là, genre. C'est l'improvisation de Lara. C'est... c'est trop haut pour. Attends. Et tu dois switcher les caméras en même temps. Hein. C'est quoi? Je crois que je vais le faire. Je crois que je vais switcher ces caméras, à mon avis. Hein. Je vais voir si ça fonctionne. Donc là, est-ce que c'est bon? Est-ce que l'image est bonne? Ça fait bizarre d'être à la place de Lara. Bon. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Attends, c'est où? C'est. Ah oui, les 15 secondes. C'est mise debout sur la chaise. 15 secondes, c'est 8 secondes, frère. Non, c'est 15 secondes. C'est n'importe quoi. Maintenant, quand je dois mettre Vince, tu sais, parce que j'ai des prénoms qui sont écrits sur mon truc. Quand je dois mettre Vince, ça met Lara. Quand je dois. Ok, je dois penser Lara pour me mettre moi, ça va être génial. Nigel, Alexis, super, très bien. Et moi, oh là, Lara. Bon, t'es prête, Lara? Allez, vas-y, on joue là. On y va. Mal au genou. Je suis morte, Lara. Alors, c'est. C'est qui là? Attends, parce que. Ah, c'est toi. Ok, ça va, très bien, vas-y. Donc j'appuie sur le 15 secondes. Hein. Non, pas le 15 secondes, le 9. Celui qui écrit 9, tu vois, quelque chose ou pas? Ah, sur celui-là. Ah oui, mais c'est marqué 15 secondes, je suis désolée. Non, il est écrit 009. Tiens, voilà, d'ailleurs, je viens de le lancer. Merde. Voilà. Bon. Merde, c'est trois trucs que tu pourrais faire tous les jours jusqu'à la fin de ta vie. Me masturber, jouer aux jeux vidéo et puis pourquoi pas faire des réparations dans la maison. Il fallait appuyer en même temps, hein, mais. Non, on s'en fout. Tu vois, voilà, elle a voulu jouer. Mais vas-y, enlève-la, frère. Elle a voulu jouer. Très bien, c'est très bien. Elle va niquer le game, on a prévu un truc. Toi, Nigel. Mais non, c'est autour d'Alexis. Alexis. Bonsoir, je suis là. Bonsoir, attention. Yes, cite trois façons de tester l'amitié de ton pote. En lui demandant des questions que lui seul peut connaître, c'est pas très français, parce que. Raté! Casse-toi, raté! J'en ai une bonne! Il faut qu'on termine par Nigel! Attention, Nigel, on est sur toi justement. Terminez-moi. Cite trois animaux qui restent convenables à baiser: des chevaux, un mouton et un cochon. Ok! Je te jure qu'il y a moyen! Parce que les chefs, c'est trop classique! C'était dans les temps. Ouais, c'est vrai, c'est tous les jours. Mais j'aurais juré que cette question allait donner une réponse beaucoup plus drôle. Oh là là! Et c'est quoi? Et on s'arrête quand? Mais quand t'arrêtes de présenter de la merde! Quand il y a une bombe au clate! Tu vois, Lara, comme elle a pas le jeu, elle veut jouer, elle arrête. J'en ai une bonne pour toi! J'en ai une super bonne pour toi! Vas-y, je suis là. Cite trois moments où. Tu as la bouche pleine. Alors quand je bouffe des trucs, quand je mange des pizzas et quand je broute ma meuf. Oh voilà. Là tu dois mettre bouche pleine. Oui bah écoute, qu'est-ce que tu veux? Visiblement je procure des inondations. Si ça sort. Des tsunamis. Attends, t'as vu depuis que je suis ici le quoi, hein? Mais non, c'est parce que on je dis les choses. Toi tu oses pas dire les choses, c'est pour ça. C'est toute la différence entre toi et moi. J'ose pas, c'est vous qui ne savez pas entendre la musique. Oh là là. C'est vrai qu'on entend bien des choses dans sexe, travail. Je me demande si Lara est schizo, on me demande, c'est très sérieux. Julie qui me demande si Lara est schizo. Alors Alexis. Oh la vache. Cite trois choses qui peuvent arriver lorsque tu couches avec une brésilienne. Soit un homme. Ce soit pas le bon sexe, qu'il y ait des poils et qu'on fasse la salsa. Perdu. C'était sur le gong. La salsa n'est pas brésilienne, c'est le samba. Oh perdu. Là là, c'est bon. Bonjour. Ça va, maintenant on trouve des pizzas au Japon. Hein, ouais, frère. Oh là là, bon, on a Nigel. Pas en Italie. Voilà. Mais c'est quoi ces questions? C'est hyper choquant. Okay. This is really shocking, hein. Cite trois façons de préparer son petit cul pour faire l'amour. Eh ben alors tu mets de la vaseline, tu te mets un gote dedans et vas-y frère, tu fais des tractions. Est-ce que tu ferais des tractions sur du Caris? C'est ça la question. Est-ce que Caris ferait des tractions sur moi? Vince. Si tu cherches l'échec, tu demandes à Caris. Speed dating. Bon. Vince, oui. Imagine trois choses que tu ferais si tu avais une cape d'invisibilité. Alors, déjà, je te materais à poil pour voir si t'as des poils ou pas. Moi ? Ensuite, j'irais voler des choses et je me cacherais sous ton drap. Oh.
Oh ok, donc deux réponses. De... Enfin, ok, je ne dirai rien. Je ne dirai rien. Ouais, bah écoute, faut être vif. Hein. Alexis, dernier tour. Allez. Eh, vous voulez pas faire un autre truc là? Ouais, parce que. Il y en a une bonne. Il est quelle heure là? Il est déjà fait 1h03, j'ai encore fait l'histoire noire. Oh, c'est vrai, bonsoir. Ouais. Alors, Alexis, imagine trois excuses pour justifier auprès de ton médecin une carotte coincée dans ton rectum. Parce que je me suis assis dessus, parce que mon enfant a joué avec et. Perdu! Voilà! Parce que mon enfant a joué avec, donc c'est vrai, c'est ton angoisse qui t'a mis le truc dans ton cul. Mais t'es où? C'est un malade, lui. Eh, venez, on fait autre chose là. Eh, des fois, je comprends pas. La dernière pour Nigel, vas-y. Vas-y, la dernière là. Eh, sans en une bonne là. Et après, on se met en mode histoire noire. Cite trois façons merdiques de devenir célèbre. Parce que vas-y, t'as fait un selfie avec Kim Kardashian, parce que t'as sucé Kanye West et parce que Kris Jenner c'est ta manager. Donc en gros, célèbre signifie faire partie de la famille des Kardashians. Ouais. On applaudit. Ok, très bien, bravo. Ouais, super. Eh, vas-y, pars de cette place, ma gueule, ça ne grave pas. Et le temps pour moi de vous annoncer que nous allons tout de suite, je me mets ici. Oui, bonjour, voilà. Oh, c'était bizarre. C'était bizarre. C'était très non étrange. J'espère que vous avez fait des screenshots. Ah ouais. Et la reine a fait genre, elle est choquée, elle a fait non, mon dieu, c'est chelou. Les amis, tout de suite, parce que le temps presse, effectivement, vu que il est déjà 21h04. Hein. Press. Le temps press. Je mets une petite musique à l'arrière. Je vais mettre une petite musique à l'arrière tout de suite. Et je vous annonce qu'on va se mettre en mode histoire noire. Oh. Eh, franchement, c'est l'ascenseur émotionnel ici. Hein. Mais tellement, mais d'un c'est côté, incroyable. On rigole, de l'autre côté, histoire noire. Je sais plus où dans ma tête. Coupe la lumière. Et je remets le son. Voilà, ouais, là c'est bien, là tu vois, on est dans le dark, on est bien, je mets une petite musique. Ah, on est dans le dark web. Tu sens la musique? La musique monte. Ok, très bien. C'est quoi le principe de l'histoire noire? Je vais demander ça à Nigel. Alors l'histoire noire, on doit essayer d'élucider des crimes passionnels, ou fusionnels, des accidents. Fusionnels. Passés sur la route, dans un chemin de fer. Comprends pas ce... Sous un appartement de Marrakech. Non, en fait, on met des détectives et on va essayer de deviner comment la personne est décédée, tout simplement. Suite à l'intitulé que Vince va lire. Voilà, exactement. Et du coup, on attend son intitulé dans 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bonne année ! Bonne année ! C'est bon, je suis là. Il s'est téléporté, le con. Quel pouvoir ! Les amis ? Oui ? Est-ce que vous êtes prêts ? Oui ! Je vous entends pas, est-ce que vous êtes prêts ? Oui ! Trop bien entendu, merci. Voici l'intitulé de l'histoire noire de ce soir. Vous devez tenter de trouver la réponse avant les animateurs. Si les animateurs trouvent la réponse, vous l'écrivez vite. Et bien sûr, on vous file des cadeaux derrière. Soyez focalisés, soyez concentrés. Vous pouvez jouer avec nous sur Facebook, vous pouvez jouer avec nous sur YouTube. Et également, ceux qui nous écoutent en radio DAB sur le WhatsApp, +32 493 99 3x09. Je vais te l'inscrire juste ici. Il va apparaître. Voilà. T'as vu? Je le titille même. +32 493 99 3x09. Oui, c'est la pleine lune. C'est la pleine lune, hein. Là on le sent, hein. Exactement. Il y a un truc. Ah oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de sang. Allez. Arrête. Fatalité est le titre. Une sonnerie conduisit un homme à sa perte. Oh. Mais pourquoi? Que s'est-il passé? Si vous avez des idées, vous pouvez les proposer. Alexis, tu peux bien sûr les proposer. Tu es ici avec nous. Oui. Oui. Parce qu'Alexis a changé d'endroit, oui. C'est pour ça. Oui. Très bien. Fatalité, une sonnerie conduisit un homme à sa perte. Mais pourquoi? Que s'est-il passé? J'attends vos propositions maintenant en commentaire. Allez-y, et je les lis. Est-ce que c'est parce que la sonnerie, elle a indiqué un mauvais chemin? La sonnerie a indiqué un mauvais chemin. Ah, est-ce qu'il a pris un mauvais chemin? Ouh, il y a plein de lumière tout mais d'un coup. Mais non, juste ici, chouchou. Oh, il est malade. Je me sens mieux là, comme ça. Voilà. Bien dans le noir. Non, c'est pas ça. On me dit sonnerie de quoi? Je peux pas vous dire de quel genre de sonnerie. C'est à vous de tenter de deviner. J'ai pas entendu. C'est un accident de voiture. Non. Alors, pour ceux qui n'ont pas entendu, qui n'ont pas bien compris, je vous répète. Écoutez bien. Fatalité. Une sonnerie conduisit un homme à sa perte. Mais pourquoi? Que s'est-il passé? Est-ce qu'il s'agit d'une sonnerie de téléphone? Non. Enfin, bien que je réfléchis. Ah, une sonnerie peut-être genre d'un train? Attends qu'il réponde d'abord à ma propale. Oui, c'est une sonnerie de téléphone. Ah. C'est une sonnerie de téléphone. Non, tu veux dire une sonnerie qui est disponible sur téléphone? Non, c'est une sonnerie de téléphone. Mais une sonnerie de téléphone conduisit un homme à sa perte. Comme tu as réfléchi, il me semble que le téléphone n'était pas le sien. C'est une sonnerie qu'il a entendue venant... Non. C'est son téléphone? Oui. Chelou. On me dit téléphone arabe. Non. Il était en voiture. Il était en voiture. Non.
Il était chez lui. Je tousse. C'est le tuc. La sonnerie d'un train. Non, il n'était pas chez lui. La sonnerie d'un train, non. L'alarme de son téléphone, oui. On me dit une alarme. Non, pas une alarme. Il a été saisi par la sonnerie d'un truc. Non. Regarde en haut, s'il te plaît, j'ai trouvé une glace. Alors, une glace, parce que c'est pas vraiment en haut que je dois regarder, moi c'est plus en bas. Alors, une glace, tu me dis quoi? Tu es où? Laisse-moi trouver. Tu peux pas retomber, y'a trop de messages. Eh, franchement, une glace, pas mal, hein. Ah, une glace, c'est pas mal du tout. C'est pas mal. Mais c'est un glacier, dring. C'est les glaciers qui font de la musique là. C'est pas mal. C'est pas ça? Non. Y'a ça qu'en Belgique. Il était caché, oui, il était caché. Il s'est fait électrocuter par sonnerie. Non. Ah, il y a LXS qui est très très proche aussi. Qu'est-ce qu'elle dit ou qu'est-ce qu'il dit? Je laisse aux gens de regarder. Vous, je vais vous laisser galérer. Ouais, nous, on n'a pas l'indice. Ah non. Fou de moi. C'est des mafieux qui l'ont appelé. Non. Il était au travail? Oui. Ah. Ah. Il était au volant de sa voiture, non. Ah, mais une sonnerie genre incendie? Non, c'est mais pas non, ça. C'est son est-ce que c'est son cellulaire ou est-ce que c'est son téléphone fake? Téléphone portable, cellulaire, ouais. Mais est-ce que son responsable ou quelqu'un de sa boîte l'a appelé pour lui dire qu'il y avait un danger dans l'immeuble et qu'il n'est pas sorti? Non. Est-ce qu'il y avait un danger? Oui. Est-ce qu'il a pensé, est-ce que il pensait que c'est, est-ce que c'était quelqu'un qui connaissait qui l'a appelé? Non. Ça, on sait pas. On n'a pas l'info. Il a reçu un appel de quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Franchement, les gens sont pas loin. Les gens sont pas loin du tout. Et un canular téléphonique? Non, du tout. Les gens sont quasiment à deux doigts de trouver. Hein. Après une catastrophe nucléaire, un homme pense qu'il est seul sur Terre et décide donc de suicider. Mais lorsqu'il entend la sonnerie de son téléphone, il se rend compte de son erreur. Pas mal, Jordan. Mais ce n'est pas tu ça. Tu peux relire l'intitulé? L'intitulé est donc le suivant. Fatalité. Une sonnerie conduisit un homme à sa perte. Que s'est-il passé? Vous envoyez en commentaire. Un braquage? Non. Ah, c'est pas mal. Il y a franchement, alors il y a quelqu'un qui est vraiment à deux doigts, c'est Thibaut. Il est vraiment pas loin. Je crois que vous y êtes vraiment, mais à deux doigts, quoi. Putain, alors, genre nous, aujourd'hui, on est éclatés au sol. Alors, une glace, tu t'éloignes. Un terroriste? Non. Une ex qui appelle lorsqu'il était en plein acte? Non. Elle se lave dans sa baignoire et il s'est lavé dans sa baignoire et s'est électrocuté? Non. Il faisait tomber son portable quand il a sonné et il faisait un selfie, son portable a sonné, il est tombé? Non. C'est pas ça. Est-ce que la personne qui l'a appelé, c'était un faux numéro? Non, du tout. C'est donc quelqu'un dont il attendait l'appel? Il était au travail, il attendait pas forcément l'appel. La sonnerie lui a causé des problèmes. Est-ce qu'il a sursauté? Non. Est-ce que la sonnerie l'a saisi et du coup il a fait quelque chose en rapport, non? Est-ce que non. La sonnerie a dérangé quelqu'un d'autre que lui? Oui. Un collègue? Non. Son arme? Un chien? Un animal? Non, non. Un animal? Ouais. Tuez-moi. Non, on n'est pas toi. Non. Pas mal ça. Mais c'est pas ça. Thibaut, c'est pas mal, mais c'est pas ça. Quelqu'un a écrit, ouais, mais si je vous lis, vous allez vous rapprocher. Mais non, mais donne des indices, frère, ma gueule, c'est ça le truc. Ok. Fadois, je pense, Fadois pour moi, c'est le truc le plus clair, mais. Bah, lis-le alors. Ouais, mais à la fois, ça va donner. C'est la réponse, et à la fois, j'ai besoin d'éléments. Je peux techniquement dire que quelqu'un a trouvé, mais. Tu veux vraiment l'intime? Moi, je veux le maximum de détails, tu vois. Et donc, donne-lui les détails. Est-ce qu'il a. Il s'est renversé quelque chose sur lui? Est-ce qu'il s'est renversé quelque chose Genre, pour lui? Est-ce qu'il non. est mort Non, non. Il est mort comment? Par crise cardiaque? Non, du tout. Électrocution? Non. Bah alors, comment est-ce que tu peux mourir Ouais, tu peux pas mourir. Ah, il est mort, tombé Non. Bah, il est mort de mort naturelle? Non. Il a eu peur? Non. Comment tu peux mourir encore? Il s'est fait manger? Non, allez les gars, il y a plein de morts. Cardiaque? Non, kidnappé? Non, non, pas loin. Par balle? Oui. Ah, il s'est fait tuer par balle? Oui, je pense. Oui. Son endroit était en train de se faire braquer, son téléphone a sonné. Non. Et à cause de ça, il a été découvert. Non, c'est pas ça. Pas mal. C'est pas mal. Mais il y en a plein qui sont dans ces eaux-là, qui sont extrêmement proches, mais j'ai besoin d'avoir un maximum de détails. Est-ce qu'il a été découvert à cause de son téléphone? Oui. Voilà. Oui. Il était caché? Oui. Voilà, et son téléphone a sonné? Oui. Et ben voilà. Mais c'est pas un braquage. Ah, c'est pas un cambriolage? Non. Thibaut, t'es à deux doigts. Un gars, son collègue qui a pété un plomb. Pour moi, limite, je peux l'offrir à Thibaut parce qu'il est à deux doigts. Hein. Comment? Un de ses collègues a pété un plomb. Non. Bah, c'était un policier. Nadja, je vais appuyer sur le geste. Un policier. Ah, c'est bon, c'est fait. Il s'est fait tuer par la personne qui était armée, c'est ça? Oui. Par un accident? Non, du tout.
Alors, Maëly me dit, j'ai la réponse. Il a grillé sa couverture de par sa sonnerie lors d'un deal. Eh ben, ceci est, ma foi... Eh ben, en fait, c'est une... c'est bizarre, hein, mais... C'est une bonne réponse. C'est une très, 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 très bonne réponse. Oui, oui, what the fuck. Oui, hein, c'est bizarre. Bravo. Oui, je sais, c'est étrange. Ouh. Votre cerveau a dû bugger en vous demandant qu'est-ce qu'on passe. Non, c'est très bien parce qu'en fait, quand on a dit il était à son travail, on a imaginé un travail conventionnel. Attends, je on n'a pas imaginé que le type était un dealer. Attends. L'homme, un policier, montait une opération. Donc, il était en pleine opération avec son unité spéciale. En fait, Paz... Il est policier. Il est infiltré. Il avait infiltré un endroit. Il était en pleine opération. Et le mec a pris d'assaut un entrepôt d'armes illégales. Difficile à dire, hein. Un entrepôt d'armes illégales. Un entrepôt. Ouais. Lorsque son téléphone portable sonna pendant l'opération... Le con. Il a perdu l'élément de surprise. La sonnerie de son téléphone a fait que le mec est devenu une cible facile. Et en fait, de loin, ils sont tous retournés. Ils ont tiré et le gars est mort. Et ah ouais, ceci direct. Est une histoire extrêmement triste, mesdames et messieurs. Ils ont tiré direct. Ouais. Et il y en a franchement qui étaient limite à deux doigts de la réponse, qui étaient très très proches. Donc je vais contacter la personne qui, selon moi, parce qu'après c'est la lecture, t'as vu, a été vraiment à deux doigts de trouver. Bravo. Il était à deux balles de rester en vie. Hein. Voilà. Demain, nous allons parler des jeux dangereux qu'on peut faire dans la cour de récré ou comme ça. Parce que je sais pas si vous avez vu ce qui se passe dans l'actu. D'ailleurs, je vais mettre une petite musique. Est-ce que vous avez suivi l'actualité? Non, je sais pas, ce truc débile. Non, c'est pas mal, moi, voilà. Je trouve que ça m'a mis la pression. Il se passe des trucs de ouf. Il y a des gens, il y a un nouveau challenge là sur TikTok qui est en train d'exploser. Hyperventile. Non, mais celui-là. Sur TikTok, il y a des gens qui se mettent de l'eau de Javel dans les yeux. Oui. Parce que soi-disant, ça change la couleur des yeux. On va en parler demain de ça dans l'émission. Ouais, tu, puis... en fait, de base, tu vois tout et après, tu vois en noir. Ouais, c'est un truc, c'est un truc très bizarre. Ouais, ça change. Et aussi, de ce qui s'est passé, il y a une vidéo qui montre un jeune à Braine-le-Comte en Belgique, à Bruxelles, enfin pas loin de Bruxelles, en périphérie, ouais. À qui il est arrivé un truc chelou, c'est qu'il a, il a fait le test du rêve indien. En gros, c'est une méthode, une technique pour hyperventiler et tu tombes dans les pommes. Et en fait, du coup, on va parler de tous les challenges qui ont fait le tour du monde et qui a causé des morts ou alors qui a mis des gens dans des états de paralysie ou alors dans des... Parce que le challenge que tu vois de manière banale sur internet, il peut tuer, il peut être extrêmement dangereux. Donc méfie-toi du challenge quand il va débarquer. Merci Alexis de nous avoir rejoint pour la fin d'émission. Bonsoir. Merci. Au revoir Nigel, bonne nuit Nigel. Ouais, à demain, bande de chouins. Un gros bisou, on a dépassé de 16 minutes là, truc de ouf 16 minutes. Pas mal. Au revoir Lara. Bonne soirée Lara. Et bonne soirée à toi Vince. Merci Eve. Allez-y, vos dédicaces maintenant. Balancez-les, je vais les lire à une de ces vitesses. Donc il va falloir balancer ça comme des oufs. Hein. Vince, je remets mon son sur Twitch. Bye la Famax. Venez voir Tahiti. Ah ouais, mais big up à la team QLS là. Que le stream Tarmac, ils sont connectés aussi sur. Que le stream sur Twitch. Vous revenez tous les soirs. Oui, tous les soirs à partir de 20h, on est là. Donc branche-toi, abonne-toi, like, follow, partage. Allez, à demain tout le monde. Bisous Cindy, bisous Prism, bisous Alan, bisous Andromède, bisous Mika et bisous Youyou. Bisous Anavel, bisous Amérique, LX, Valentin. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, activer la petite cloche, c'est très important. Et puis on a d'autres vidéos. Donc vas-y, tu choisis. Clique. Vas-y, clique, je te dis. Oh bah tu as cliqué ou pas là? Voilà, merci. Au revoir.